sur mon live, je fais le truc en costard en mode full tryhard alors qu'en fait c'est les games d'un open tour, je sais pas comment dire. Mais du coup, moi on m'a dit je fais pas, tu vois, dans ma tête, j'avais pas compris. J'avais pas compris du tout, c'est ma faute. Oh. De toute façon, je vais jeter un œil sur les games de loin. Ok, je vais pouvoir vendre. Bon, bah, ça one shot du coup, au bout d'un moment. Donc, tu vois, fallait bien quand même pré-shot les trucs, hein, parce qu'il n'y en a pas 4000 en fait. Hein. Des portails de TP, je veux dire, Sensei. Pardon, t'as dit quoi? Ouais, je dis, faut bien pré-shot les trucs parce qu'en fait, les portails de TP, il n'y en a pas 4000. Hein. Ouais. Bah, je suis à poil du coup là. Non, attends. Tu veux que je t'achète des trucs pour que tu puisses passer? J'ai une amulette si tu veux, intelligence. Mais après, moi j'ai pas de passif important à avoir en vrai de vrai. C'est surtout toi. Hein. Moi ça va en vrai. Non, en vrai, moi je m'en fous de pas avoir de trucs là. Je joue ça en game. Attends. Laisse-moi voir ce qui a été dit tout à l'heure. J'avais pas compris. Ouais, voilà. Non, c'est bon. C'est sûr, je peux pas. Les messages que j'ai reçus, c'est sûr, je peux pas. En gros, faut des autorisations et voilà. Ah, désolé, vous m'avez mis la pression. J'ai cru que j'avais vraiment fait des bêtises. Mais tout va bien. J'ai un truc six wheel, bon je le mets de côté pour moi plus tard. Du wheel. J'ai deux trucs intel. En vrai j'ai un petit item vert de côté. Non c'est big hein. C'est big ce que j'ai là. Hein. Je sais pas trop quoi faire de toutes les gemmes que j'ai. Elles s'empilent un peu. Moi aussi j'en ai 4000 ouais. Elles s'entassent un peu. Ouais je sais pas trop quoi en faire j'avoue. Non ça se vend zéro en plus. Unpolished. Mais toi, a dit que tu le faisais sur la chaîne Karmic Corp. Après, j'avoue, les gars, je peux pas l'apprendre au dernier moment. Plus le fait que. Enfin, je veux dire, je suis quand même un streamer, j'ai une chaîne et tout, tu vois, donc je peux quand même stream, tu vois. Pas grave, on remettra ça. Ok. Qu'est-ce que je me baille, moi? Oh, putain, j'avais pas vu. Je sais pas ce que je m'achète en plus, est-ce que je me fais la folie d'acheter un item bleu? Je pense même pas hein. Bah en vrai je sais pas comme tu veux. Moi j'achète rien là, je pars à poil en vrai. Et après c'est parce que moi j'ai pas de passif vraiment important comme toi à avoir pour l'instant. C'est quoi Corrupted? Il y a des gens ils ont eu des bigs items hein. Ouais, ça coûte 10k et tout. Les trucs bleus là, c'est. Ah ouais. S'il existe des secondaires move speed, pour moi c'est first pick. Ouais, c'est full dextérité. En fait, je suis d'accord que la move speed ça fait tout. Hein. C'est clairement le GOAT, la GOAT stat. Mais tu vois, dextérité, 1 de dextérité égale 1 de move speed. Donc c'est trop big. Et donc, en unidentified item, on peut avoir du magic genre. Ah ouais.
Ouais, les items coûtent cher du coup, hein. Ouais, vas-y, hein, bah écoute, mec, on est full vert. T'es full vert toi ou pas, ou t'as rien? Je suis full blanc, mais je m'en fous. Ok, ok. Ok. Bah vas-y, on continue, on joue, hein. Ça joue, ça joue, ça joue. Hein. Ok. Petit lobby. Ah, mais ça met comme si on était sur la map dans le lobby. Ouais, je suis d'accord, la move speed pour moi c'est big, hein. Ok. Ok. J'ai un peu d'FPS, je prends. J'avoue que là, niveau move speed. Oh là, ça va? Quoi? T'étais en train de voler là, non? Ouais, totalement, ouais. Ouais, c'est totalement, nouveau ouais. Passif. Hop là, un balle dans la poche. Hop là, le rubis. Hop là. Attends, weapon damage. Oh, 3% de crit, c'est pas mal comme j'aime. Hein. Enfin, des mecs en est. Ouais. Vas-y, comment t'es? Bah, ils doivent être en haut, je pense, tout simplement. Vas-y, je prends les dégâts, je suis trop bête. Oh, y'a un archer fort. T'inquiète, je mille. Oh merde. Le passif Dex 25, il est juicy ou pas? Bah en fait c'est un truc qui fait quand je E là, que je dash en avant, je gagne de la move speed pendant 3 secondes. Donc ouais, c'est assez big quand même, hein. C'est assez big, hein. Oh, j'ai pas mal de bolts là, c'est cool, j'en ai loot pas mal d'affilée. Uh-huh. Oh, t'as vu, c'est corrompu là, pourquoi c'est rouge sur la map là? À l'ouest. C'est genre un endroit en mode élite. Il y a quoi, hein? Ah, il y a juste du sang. C'est juste qu'il y a du sang, ok. Hop les. Uh-huh. Oh merde, l'archer. Oh merde. Oh putain. Aïe. Oh, aïe. T'as démoli. Oh, il essaie de te go. Ouah, par contre, qu'est-ce que je vais vite maintenant? Avec toute la dextérité que j'ai là. Vous avez vu la move speed que j'ai avec ma grosse épée? C'est de la dingue. Une très très grosse épée. Ouais, mon épée est tellement grosse, les gars. C'est jamais vu d'avoir une épée aussi grosse. Grosse épée dans ton four. Oh, putain, je l'avais pas vu. Énorme cette épée. C'est bon. Faut pas s'y impressionner, mec. C'est assez commun en vérité. Oh. Je cherche les petits gars qu'on a entendus. On va leur montrer de quoi est fait ton épée. Si en bas tu attaques plus vite aussi, non? Je sais pas ça, mais. Ah oui, d'accord, faut commencer par un bloc. Ah oui, d'accord, le temps que je refasse l'anime, c'est mort. Ok. Je regarde un peu. Aïe, mais putain, me cancel pas mon heal. Ah non, il est passé, c'est bon. Tout le temps. Alors, il y a un petit gars là. J'ai envie de tous les prendre et de mettre un gros tourbillon, mais j'ai pas envie que ce soit comme tout à l'heure où ça nous fonce dessus soudainement après. Qu'a
4 stamina. Oh, il y a tellement de. Oh là là. Oh là là, c'est un archer en plus sur le côté. Il va me déchirer, frère. Ah, attends, je suis bloqué. Ouais, c'est bon. Parce que du coup, je suis. Ok, je te heal. You're okay. Ah, ok. Donc lui, vu qu'il tape à droite, il suffit. Oh putain. Il y a deux archers. Le deuxième, je vais le gérer. Oh ouais, putain, on fait très mal. Hein. Là, moi, je pense que ce qui me choque le plus, c'est la mousse speed. Hein. Prends le shield là, le truc du shield. Genre, ça fait toute ta vie. Enfin, pour moi, en tout cas. Ah oui, c'est quoi ça? Ah non mec, je viens d'avoir une résurrection stone. Ah, bring bah c'est comme fallen ça, allies fait. Back to life by targeting their body, bon, and voilà. Left clicking. Au bout de 10 heures de jeu, on sait comment faire. Super. Mais attends, mais du coup ça veut dire qu'on en a une deuxième là-bas. Là où on est passé tout à l'heure. Parce que du coup j'ai rien ramassé, j'avais pas compris ce que c'était l'hôtel, mais du coup c'est ça. D'accord. Du coup, là normalement on en a une deuxième. Ouais elle est là, viens. Viens la chercher celle-là, attends je vais te la drop. Arrive. Hop, j'en ai deux. Ah, genre l'hôtel il avait fait pop ça mais ouais, j'avais pas pris. C'est exactement, ça. J'avais pas compris, je suis en mode ok, ça donne pas de buff, j'avais pas compris. Tiens, attends, je te la mets. Tiens, il y a un chest, parfait. Je te le mets dans le chest. Voilà. Paf, paf. Et les bolts pour moi, allez hop. Voilà, et tu prends la petite stone là. Et il faut l'avoir, voilà, faut l'avoir dans la main. Du coup, on peut raise les potes là maintenant. Mais il faut les trouver dans les donjons. Est-ce qu'on peut les ramener dehors? Cannot be taken. Non, on peut pas le prendre. Ah. On peut pas les ramener dehors. Bon, là par contre, on va en dehors de la zone. En tout cas, l'animation quand tu l'as dans la main, elle est top. J'ai pas vu. Oh. Bah, la chance. Ah ouais. De la chance de pas avoir vu. À ce point. Derrière nous. Aou, aou. Ouais. Attends, je me heal. Ok, tranquille. C'est bon, je me suis heal. Attention, on a un vieux mob. Ok, c'est bon, on a plus de. Attention, ils ouvrent. Ok. Je me shield et je leur fonce dedans, t'es prêt? Attends, ils me défoncent. J'ai plus de mana, je peux plus rien faire. Je peux plus même plus t'aider, frère. Tu régènes. On back. Non, je peux pas, j'ai rien pour régène. J'ai rien du tout. Viens, on se pète. Et on se pète en vitesse. En fait, 3 fois j'ai mis mon sort pour lui, 3 fois ils m'ont cancel en fait. Du coup, j'ai plus de mana. Ok. Viens. On ouvre. J'ouvre et tu fermes dès que t'es passé, ok? Vas-y. Et on t'as cherche. Pas toi des potions de vie ou de mana pour moi là? Je sais pas, on va voir après. Juste, on se pète d'abord. Je suis pas full. Vas-y, passe. Ok. Est-ce que j'ai les potions de mana? Non, j'ai pas de potions de mana. Bah, c'est FF alors. Ok, très bien. Bon, on a bien fait de cancel. Viens, on bouge encore. Genre, en fait, vraiment, à chaque fois que je mettais un sort de heal, je sais pas c'était quoi sa classe, mais il me lançait des dagues de loin. C'est et cancel. Ah oui, ok. Ouais. Il y a des mecs à notre gauche. Un truc comme ça. Le problème, c'est que là, on peut plus régénérer. Hein. Ouais. Je crois que c'était Sword Master, un truc du genre. Ah oui, ça doit être ça. Sauf que, comment on remonte? On peut aller sud par là. Sauf qu'il y avait des gens par là, je crois. Oui, sur moi. Ah bah. Mort. Non. T'es mort? Ouais, bah dans son court tourbillon, il m'a explosé. Oh, il doit être low, il fuit. Il doit être bien low HP. Il essaye de dodge. En vrai, faut que tu joues au mental. Si tu le rush, il va penser que t'es full HP, genre. Il a fermé. Il est en train de se bander. Oh, il a roll tourbillon. Oh, le bâtard. Ah, j'ai pas osé le ressortir. Bon, c'est pas grave. On aïe, a tenté. Twice. En fait, j'ai voulu le terminer, mais en fait, il était pas si low que ça. Il m'a joué au mental. Non, mais en vrai, ouais, 64% il a en fait, il est bien. Ouais, il était très bien. Je sais pas pourquoi il a fui comme ça. Parce que là, en plus, en gros, je lui ai mis un chasse. Pourquoi il s'est barré? En fait, il veut juste jouer au tourbillon, c'est tout.
C'était juste ça. Ouais, je pense. En gros, il reste loin à l'arbalète et il joue au tourbillon, c'est tout. Oh putain, le mec il m'a cancel 3 fois, la dinguerie. Et du coup, en plus, quand je lance le cast pour commencer à charger, ça m'utilise mon mana. Du coup, il m'a vidé de mon mana, le gars. Oh, putain de merde. Du coup, j'ai plus mes trucs. Bon, ça va, j'avais gardé quelques items de côté. Par contre, là, il a le stuff le plus gainé qui existe. Hein. Alors, sachant que s'il y a un guerrier qui te fonce dessus... C'est le mec qui t'a tué ? Ouais. Et le stuff, il est trop vénère, le stuff que j'avais. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai réussi à tenir son tourbillon alors que j'étais en plein milieu et tout aussi. Hein. Ouais. Il a fui pour se mettre dans la porte. Tu peux pas tuer quelqu'un. Tu peux pas taper quelqu'un qui est dans l'encablure de la porte. Bah je le tapais à l'arbalète, c'était bon, tu vois. Sauf si t'as un tourbillon. Encore une fois, tu vois. C'est le truc que tu peux faire, c'est... Dommage. C'est pas grave. J'aurais pu te raise effectivement, mais j'ai cru en moi. J'ai cru en moi. Hein. Ouais, mais ça doit être super long. Je sais pas. Hein. Je sais pas. En tout cas, j'ai 6 et 6 will, donc là j'ai quasiment le passif déjà. J'avais préparé un item de côté au cas où. J'ai 3 bandages. Je vais prendre ça, je pense que c'est fort. Bon, le premier cancel fight était très bon, mais après on n'a pas réussi à finir. Oh, je vais me racheter un item, je pense. Il me faut accessories refresh. J'ai mis accessories fighter, ça me sort ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Elle est où mon amulette? Ah oui, search, ok. Et c'est une amulette off wheel. Allez, des bonnes stats, pitié. Dis-moi que c'est des bonnes stats. Oh là là, d'accord, ok, trop vénère. Ah bah bien joué à lui en tout cas. Hop. Non, je vais pas l'acheter. Au marchand, pourquoi j'ai un point d'exclamation sur le marchand? Ah, parce que du coup, c'est une two-handed ou c'est une one-handed? Ouais, c'est une one-handed. Pas grave, pour 200 balles, c'est bien. Wouah! Elle est énervée. Oh, elle est trop énervée. Hein. Avec une socket bleue et tout. On en parle du match qui t'a bum sur son pote lors de ton tourbillon. Mais je crois que je sais pas si j'ai tué son pote par contre. Je crois pas. Hein. En fait, j'ai cancel justement parce que j'ai vu ça. J'étais en mode. En fait, j'aurais pas dû dash sur le mage, j'aurais dû aller sur l'autre direct, sans réfléchir. Parce qu'en fait, si son pote c'est pas un guerrier, il prend les dégâts de la firebolt s'il me touche. Donc en fait, il tue son pote. Donc en fait, il aurait pas tapé, je pense. Bon, j'avais un petit peu de stuff de côté. Du coup, moi, je peux rejouer direct. C'est bang. Vas-y, je suis ready. Pas si j'ai autre chose, non, vas-y. Hein. Ça part comme ça. Tu vois, level 11 et tout. C'est un peu long le grind quand même par perso. Ouais, c'est un peu long. C'est un peu long. Ouais, plus c'est long, plus ça pose problème. Les games sont full maintenant en fait. Ok. Ouais, ouais, la normal. Game est full, tu vois. Il y a 16 mecs. Ok, c'est pas grave, ça retag. Ça retag directement. J'avais pas vu là. Pas faux. T'as le passif là de Will? Est-ce que je l'ai? Eh ouais mon gars. Là on s'est trop embourgeoisé là. Wow. Quoi? Prends l'amulette de fou là qu'il y a là dedans. Oh. Ah oui, celle-là elle est très big. Oh wow. Ah ouais. Parce que du coup je passe de 33 à 39 là-dessus, j'ai plus de will. Ouais, c'est trop bien. En plus, ça augmente mes dégâts et tout. Non, c'est trop pas celle que t'avais avant. Ouais. Tu veux? Ouais. Je la mets là-dedans. Merci.
c'est vrai que j'ai eu Je suis quasiment sûr qu'avec l'épée, tu peux faire un perfect. Avec le shield, tu peux faire un perfect parry. Parce que t'as la counter-attaque comme en comme avec la sword. C'est la même chose. Comment on fait pour counter-attaque, je sais même pas. En gros, dès que t'as bloqué, t'attaques quoi, en gros. Et ça fait une attaque plus rapide qui a une estoc. Moi, ça marche pas du tout pareil, moi, en fait. Moi, quand, pendant que je bloque, je peux taper en même temps, moi, regarde, tu vois. Ah oui, c'est vrai que t'as une masse, toi, ça fonctionne pas pareil. J'oublie, pardon. Maintenant, faut survivre. Ah, c'est dur, hein. C'est pas facile, hein. Mais dommage, parce que là, en plus, on commence à être gear et tout. Ah, faut se loot, hein. Faut juste enchaîner tout partout et loot, hein, c'est tout, hein. De secret. Sauf que j'ai peur que en fait là le loot qu'on a il soit trop weak, tu vois. Je sais pas comment dire. Tu veux qu'on tente un portail rouge juste pour aller voir vu qu'on a pas beaucoup de gear? Vas-y hein, je pense que impossible on survit là-bas, mais pour moi faut être 3 et faut un mec à distance pour le portail rouge. Ouais, c'est sûr que le mec à distance il doit changer la donne au PvP. Ok, bah tranquille, je viens de loot une capuche bleue, normal là. Trop bien. Ouais, j'entends les haches. Oh putain, j'allais tellement vite avec mon perso, j'ai le seum. Ouais, jouer épée bouclier, ça a quand même un certain safe, quoi. Un certain safe, j'aime bien. Hein. C'est clair qu'on entend personne quoi. Ça c'est vrai que c'est joli hein. Rien entendre là comme ça. Ah non non, le son il est horrible. C'est nul à chier le son. Ah, ils ont exactement 200 HP ces mobs. Hein. Exactement 200 HP. T'es derrière moi là? Ah non, moi j'étais allé au-dessus. Non, j'arrive. Je sais pas, je me. Un archer de merde là. Comme derrière nous, au cas où. Oh, y'a un shrine de dégâts là. Je sais pas combien de dégâts ça donne. Faut que je vois les buffs que je mets maintenant que j'ai le buff de dégâts. Y'a rien. Ouais, c'est de l'ordre de 15-20%, non? Ouais, c'est ça. Allez, donnez du loot. Donnez des trucs, un peu. Vas-y. Ouais, bah écoute, on a clean, hein. C'est
c'était pas dingue. Ouais, c'était vraiment pas ouf. On a clean tout ce qu'il y avait en face de nous pourtant. J'entends rien, hein. J'entends rien du tout. Il y a plein de gobelins. Oh là, c'était là. Ouais, j'ai pas réfléchi, il y avait trop de mobs, j'ai eu la flemme. Ok, tu peux bien esquiver le PVE juste en faisant des jumps en vrai, il suffit de savoir à peu près où est-ce qu'il est censé taper. Ouais, j'ai perdu en move speed, c'est pas ouf. C'est pas ouf. De perdre en move speed. C'est pas grave, mais c'est pas ouf. J'ai une mana potion, je peux te heal. Oh oui, oui, oui. Ok. Ok, bon, ça c'est fait. Tous les mobs sont morts ici. Petit truc bleu, petit ça. Putain, mais l'arbalète c'était bien là. J'ai un peu le seum depuis l'avoir. Personne, c'est un truc de fou là. Ouais, pourtant la game était full, hein. Il y avait marqué. C'est bizarre. Hein. Ah. J'ai entendu un truc se briser. C'est peut-être moi. Ouais, juste en face. De l'autre côté, ouais. De l'autre côté, un voleur. Allez, c'est parti. Il va arriver en face de nous. Ce que je vais faire, c'est que je vais jeter une torche pour être sûr de le voir. Ok, on l'entend, il est toujours en face. Faut que je fasse gaffe, faut que je reste avec toi. Ouais, je le vois. Je fais genre je le vois pas, je fais genre je le vois pas. Oh, y'a un autre! Faut que je me heal vite! Je me heal, je me heal! Je me full heal, c'est bon, tout va bien. Ok, il a mis des pierres. Oh, trop stylé ce qu'il a fait! Ouais. En fait, tu peux vraiment pas le casser? Non, non, on peut le casser avec des armes si au bout d'un moment. Mais en vrai, il est juste de l'autre côté, je vais juste le loot en rapide. Il avait de la merde, un rituel scroll. Attention! Ouais, c'est ça. Oh, je vais me faire empoisonner. Ok, je vais lancer une autre torche par là, au cas où il arrive pour bien qu'on le voit. Non mais par contre, il y a des trucs dans ce jeu qui ont aucun sens, hein. En fait, ils ont voulu que le son soit nul et du coup l'invisibilité sert à rien. Enfin, je sais pas, bizarre. Enfin, c'est bizarre. Oui, là, je le vois totalement, mais attention derrière. Genre, on le voit, genre on entend rien, mais le mec on le voit complètement alors qu'il est invisible. Enfin, genre, c'est trop bizarre comme choix. Enfin, j'imagine que le son c'est pas un choix et qu'ils savent juste pas comment le régler, mais... Après, est-ce qu'on le voyait parce que j'avais mis une torche à ses pieds? Je sais pas, tu vois. Je sais pas, mais on le voyait vraiment bien. Hein. Oui, oui, on le voyait très bien. J'attendais juste qu'il soit vraiment collé pour le tour. Le mec, en plus, il était devant nous en mode « Hop, il est wapa, il est wapa !» Dès qu'il était assez collé, j'ai tout oublié, c'était la fin de ce live. Je pouvais rien faire. Ok, par contre, fais gaffe parce qu'il peut faire le tour en vrai. On se casse, de toute façon. T'es bien niveau vie, moi je suis pas fou là. Je me heal. Je vais te heal. Regarde, je me heal. Par contre, effectivement, s'il fait très sombre comme ça, on y voit pas grand chose. Peut-être que ça joue, ouais. Peut-être que quand il fait sombre, on les voit pas.
temps de me mettre le hit, le connard. Ah, bah il est plus là. Il y a un autre voleur là qui est en train de se taper. Alors attends, faut que je me mette du coup si on va se battre. Ok, c'est full kill là ici. Avec un parchemin de TP out. Y'a un portail là-bas. Des bottes vertes dextérité, ah mon gars. Tu me diras pas deux fois. Enfield. Portail au bout. Slot occupied. Ah ouais, 8% de move speed, je prends. Ok, je vais faire. Y'a un portail là. Ouais, mais c'est là où on était. À droite. Y'a un mec, non? J'entends rien. Ah si, au bout, tout au bout. Est-ce que j'avance dessus? Il vient de se mettre invisible, il est tout au bout, il s'est mis invisible, tout au bout. Okay. Genre au niveau de la porte, c'est mis invisible. Au niveau de la porte. Il a forcément reculé de toute façon. Là. Comment on fait pour le voir? Je sais pas où il est. Et on y retourne. Il s'est mis invisible ici, là où on est là. Ouais, je sais. À cette distance, je me dis qu'il serait. Il y a peut-être un monde où il est passé. Ah, il y a un autre portail là. Est-ce que tu prends lui et je prends l'autre? Vas-y, je l'ouvre, reste avec moi le temps que je l'ouvre. Et j'attends que tu aies ouvert le tien, ok? Vas-y. Ah, mais il y en a un autre là. Vas-y, j'ouvre lui là. Il est open. Vas-y, j'ouvre le mien. Ah bah je vois un autre s'ouvrir là-bas, il a dû partir. Ouais. On doit être les derniers en vrai. Vas-y, je sors. C'est go. Oh, j'ai pas fait une game pas de grand fou. Chose mais. Et du coup l'invisibilité au final c'est pas mal parce que putain on l'a dû perdre quoi le mec. Ouais, on l'a complètement perdu. Il nous a vu invis et il s'est barré. Oh, level 11 bien ça. Hein. Plus 1 de dextérité, plus 1 de force. Bien, 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 j'aime bien quand tu me parles comme ça. Hop là, 600 balles grâce au challenge, et ben ça sera beaucoup plus que ce que je vais faire avec ce que je vais vendre, hein, je vais te le dire. Honnêtement là, j'ai eu que de la merde à vendre. Hein. On vend, ouais, on vend rien, ouais. Que de la merde. Pareil en vrai. Wow. Ouais, non. Ah ouais, on se fait vraiment que dalle là. C'est vraiment les challenges qui font les sous. Mais j'en ai plus à faire là. J'ai 700 HP, mais ouais, c'est les challenges, ils donnent tout, hein. Ils font tout, les challenges. Ils sont trop gainés, hein. Et le portail rouge, du coup, bah en fait, on l'a pas fait au final, c'est vrai. On aurait pu, c'était le call un peu, mais... Et au final, on l'a pas fait. Je vais récupérer ça. Juste mettre... refaire le slot. En vrai mec, tu sais que s'il y a une team de 3, on se barre, je me mets en mimique et je bouge pas. Et en fait, s'il passe à côté de moi, je tourbille au milieu. Je fais quoi, je pense que ça peut marcher. Hein. Ah ouais, pourquoi pas. J'ai envie de tenter là, j'ai pris les potions de mimique là. C'est bon, c'est le play, c'est le jour du play. Ok. Là j'ai un peu de thunes. Ouais, je vais équiper une gemme là-dessus quand même, histoire de prendre des stats. Là, j'ai Holy Resistance, ça pue sa mère, dommage. Trade, qu'est-ce que je pourrais acheter qui pourrait me mettre bien là? Des jambes, non? Des jambes ou une tête, ouais. Allez, ça achète. Armor. Ça, je vais pas me gêner, hein. Clairement, pas me gêner là. Ah, bah là, on peut acheter des bleus et tout. Tout à l'heure, je pouvais pas. Et les bottes bleues, c'est 2200. Les gants, c'est 4000. C'est un peu cher. Hein. Et tu vois, je peux acheter des jambes. Et je peux acheter une tête. Et là, je m'arrête d'acheter. Hop, je prends les deux. Ok. Ok, move speed, j'aime bien. Et la foi qui augmente mon shielding bonus. Ah, mais c'est pour ça, mec. T'as beaucoup de foi, toi, non? En stats.
Beaucoup, oui, j'ai 39. Ouais. Bah en fait c'est pour ça que ton shield, les shields ils sont énervés pour toi. C'est parce qu'en fait la faith ça augmente le shield que tu récupères, que tu reçois. Donc c'est trop vénère en fait. D'accord. Moi je suis en bonus genre 10% de shield et toi tu dois être à 30-40 tu vois. Ok ok. Ça se passe pour comment Kakorp là l'équipe? C'est une démolition non? Je pourrais acheter des gants verts. Mais je vais acheter une sword en vrai. Non, tu sais, oh, je sais pas. Je vais acheter des gants parce que j'ai pas ça. Et voilà. Et comme ça, je suis full. Et j'aime bien jouer full item. Même si j'ai jamais de thunes, je m'en fous. Oh, plus 11% damage sur les gants. Je pleure. Je pleure le poulet. Ok, c'est bon. Mais attends, du coup, ça veut dire que si le truc en pourcentage damage peut proc partout, ça veut dire que tu peux avoir un bonus damage de plus de 100% en fait. Bah, je le sais pas trop, peut-être. Hein. Ok, vas-y, bah je suis prêt en tout cas. Est-ce que t'as tout ce qu'il te faut, toi, dans ton gear? Ouais, moi je pars comme ça, je m'en fous. Bah, en vrai, moi je te dis, j'ai pas vraiment de passif ouf en vrai. Mais du coup, en fait, moi je me rends compte qu'il y a des stats qui sont trop vénères. Genre, par exemple, tu vois là, 11% damage là sur. C'est trop énervé, mais 11% damage comme ça à blanc quoi. Alors tes premières impressions, j'ai pas joué à Dark and Darker, mais ce jeu a l'air pas mal peut-être essayer le genre, non? Bon, c'est le même style, c'est un peu plus facile que Dark and Darker. Mais c'est sympa, moi j'aime bien. Oh, j'ai plus de torches. Hop là. Bah tiens, on est déjà dans le cercle là. On peut aller chercher le gros chest au-dessus direct. Allez. Par contre, y'a ce mob de merde là. Je le sens tellement pas. Quoique, on a vu les dégâts que j'ai mis là. Quand je tape trop en AOE, ça mitige les dégâts entre toutes les cibles. Ok, je ramasse. Bon, il manque plus qu'une arme à deux mains et je suis gainé. C'est un gros endroit de loot ici, il y a beaucoup de chests. Il y a pas mal de trucs. Hein. Il y a même sur des étagères et. Moi sur les étagères, c'est un peu de la merde de ouf. Voilà, moi j'ai un chest au milieu, un chest au premier étage. Pour l'instant, c'est pas mal. Pour l'instant, c'est pas mal du tout. Sachant qu'il y a plein de petits mobs à tuer. Ça fait toujours de l'XP. Et du coup, je me souviens. Il faut que j'aille où déjà pour atteindre ça? Attends, il est où le gros chest? Il est pas là? Ah si, il est là. Et ouais, il faut que j'aille là-bas. Ouais, c'est ça, donc il faut que je tue ce mob là-bas. Bien obligé de tuer ce mob. Et regardez là, hop, on va là. Un petit parcours à faire. Ouais, quand même avec mon épée à deux mains, je peux faire le parcours, c'est bien que j'ai assez de mousse-speed. Hein. Alors, 300 balles, de l'herbe, 40 balles. Ah, c'est vraiment 20 balles ça. Vas-y, ça dégage. Hein. Et il y a deux items de merde. Le gros chest a pué sa mère là. Il a rien donné. Comme tout à l'heure en fait. Hein. Est-ce que c'est vraiment un gros chest? Je sais pas. Ok, je te rejoins. Moi, je loue un peu tous les trucs sur les côtés là, mais.
Ah oui, je vois, il y a des petits items verts sur les étagères et tout. Effectivement, les étagères sont très appréciables. Ouais, je prends plus de dommages physiques, hein. Franchement, on a rien, mais... Ouais, tu sors d'où, toi? Avec le perfect pari, je prends là. 0 dégâts. Ah oui, d'accord, parce que tu as utilisé le pari. Ouais, et ça augmente mes chances de crit. Attends, j'ai une aura rouge, ça veut dire que j'ai le passif? Bah, quand tu as fait ton pari, t'avais une aura rouge autour de toi. Ah oui, j'ai le passif. Vengeful Riposte, je suis passé au-dessus de 45 de force, j'ai deux passifs. Du coup, j'ai un bonus de crit. Si t'arrives à caler ça en fight. Ah, le mec il saute, hein. Il explose, hein, je pense. Hein. On peut se faire reste dans ce jeu. Ouais, on a trouvé comment, mais on l'a pas encore fait. C'est pas facile à avoir en vrai. Hein. Ouais, j'aime mieux celle-là. Hein. Ok. Ah, c'est des petits 40 balles, ça. Bon. C'est-à-dire que moi je pourrais essayer dedans, du coup là. Là je prends rien. Ah, j'ai des torches. Ouais, il est long, dur à ouvrir celui-là. 20 balles, bah ça c'est. Ouais, c'est pareil. Hein. En fait, les petits trucs de 2 slots, c'est ce qu'il y a de plus rentable, j'ai l'impression. Les petites babioles 2 slots. Ah là, on a tout fait là, ça y est. Tout. Ouais, on a tout clean là. C'était un peu laborieux pour pas tant que ça, mais en même temps. Ouais, vraiment, j'ai pas grand chose. C'est hein. Le level 1. Ouais, après, moi je me suis stacké de pas mal d'items un peu nuls. Silver. Pareil. Pareil, nul. Ouais, il y a pas mal de petites étagères et tout, mais il y a surtout 4-5 chests. Je crois que c'est ça l'intérêt de cette zone. Mais bon, c'est pas big quoi. En fait, c'est les zones des boss qu'il faudrait qu'on commence à jouer si on veut vraiment se gear, je pense. Ouais, de toute façon, faudrait qu'on apprenne à les faire. Hein. Et je pense que ça se fait, parce que t'as vu l'autre fois là, quand on avait joué, quand j'étais à la ouais, maison là. J'avais quasiment fait tout seul. Ouais. Et après, bon, je le tapais pas au corps à corps, mais ça c'est ce qui est des coups, tu vois. Pardon. Non, mais on peut pas se taper. Ouais, mais bon. Ah, j'ai une crossbow. Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est bien que j'ai une crossbow. Ah, ça c'est pas blanc, c'est jaune. Donc c'est pas le truc de Resurrect, je crois. C'est le. C'est vraiment le shield. Ouais, bah le shield faut que tu le prennes toi, je pense. Ouais, ça fait toute la vie, vraiment. Raté lui. Alors gros noob. Les gros noublards. Oh oui, des bolts. Et du coup, il y a la Vrace à côté. Voilà, bon chien. Après là, on peut peut-être tenter un boss et je le tank avec mon shield tout le long avec le shield du truc en plus. Ouais, vas-y, hein. Vas-y, bah y'a la Banshee à côté là. Viens, on y va. On va essayer de la faire avec mon truc là. Je sais pas combien de temps ça dure, alors j'y vais. Juste, je le tank avec mon shield et tu tapes. Vas-y. Pousse-toi, toi. On peut pas aller là, si. Ah, si, je crois qu'elle est là-bas. Ok, c'est bon. Elle est là, elle est devant moi. Vas-y, j'arrive. Elle est morte ou elle est buggée? Elle est à gauche là. Je pense qu'elle est buggée. Vas-y, tu pull. Vas-y, il y a des mobs derrière. Je vais mettre un tourbillon de façon pour les tuer. Non, elle est morte! Quelqu'un l'a tuée! What the fuck? Ah ouais, elle a été lourde. Oh la dinguerie! Oh le bâtard. Ah ouais, ils ont tout pris des bâtards. Ah les bâtards. Ouais, et ils ont tout cassé, tu vois. Ça veut dire qu'il y a des mecs chauds, ça veut dire. Ouais, c'est sûr, ça rush les boss, hein. Oh, y'a un joueur mort. Ah bah ils sont peut-être pas si chauds en fait. Hop les. Trois torches, je prends. Ça, je prends. Peux prendre son froc là. Ah non, prends ce que tu veux. Ah mais ils disent que je prends mais je peux pas en fait. Oula. Ok. Après tu vois, si le Petrify fonctionne sur le mob, un rogue aurait le DPS de la tuer, tu vois. Parce que ça fait hyper mal un rogue. Hein.
vieux mob à l'arbalète là, il me pète les couilles. Joueur sur moi, J'arrive. Il est prêt. C'est un mage ? Je crois. Ok, vas-y, je fonce dedans. Je l'ai raté. Oh, il est mort. Je l'ai tué à l'éclair, je crois. Ah non, c'est bon. Je lui ai mis deux tics à l'éclair. Fais gaffe, hein. Il a sa blade autour de lui. Ok, bah je me heal tranquille. Non, je te heal toi, vas-y, t'inquiète. Vas-y, tape. Il est mort. Oh, il s'est fait tuer par le golem derrière. Oh non, on s'est volé le kill. Ah, en vrai, les éclairs pas mal, hein. Je lui ai mis 2-3 tics dans la gueule, ça faisait 98 et tout. Je suis explosé, c'est trop marrant comment il est mort. Et l'autre, son pote, il m'a foncé dessus alors que j'étais en tourbi, j'ai pas trop compris. Pas trop compris le play, je pense qu'il y avait mieux à faire sur l'instant. Ouf. Ils avaient des choses quand même, hein. Ah, oh, c'était vraiment des putains de gros noobs de merde, hein. C'est de la dinguerie de parler comme ça. C'était vraiment des gros losers de merde en vrai. Et vraiment des petites merdes, ça commence à me saouler en vrai. Bah t'as plus le shield du coup là, ouais non. Mais je crois que je l'avais pu même avant le combat. Heureusement que c'était des énormes merdes. Et nous on est passé là tout à l'heure. Oh, mana potion. Pas mal. Let's go. Putain, elles sont rares les mana potions quand même. Ouais, mais c'est parce qu'elles se craft en vrai, je pense, c'est surtout pour ça. Faut que j'arrête de looter des gemmes là, ça sert à rien. On est 20 000 pour rien. C'est vrai, hein. Surtout que si tu peux reroll les stats, bon. Ouais, mais ça coûte cher, je crois, quand même, un peu. Ça coûte 500 balles le reroll, je crois. Donc, ouais, quand même, mais bon. Ouais, mais ça coûte plus cher à chaque reroll, hein. Le celui d'après, il est à 1000, hein. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais. Ok, là, j'ai une game, là. Là, j'ai un bon raid, là. C'est quoi, ici, là ? C'est looté déjà. Ah, mais ça commence à être petit, joueur là, mort. J'avais pas vu. Deux joueurs morts. Hop là. Putain, les 24 FPS là, mais c'est terrible, hein. Et donc ça, est-ce que c'est le truc de Resurrect ? Je pense. Peut-être. Ah là, il y a une race par contre, devant nous. On aura peut-être pas le temps de la faire. Ah non, c'est du heal, ok. De toute façon, il n'y a pas de portail ici. Attention, il y a un archer. On revient. Des portails sont apparus. Est-ce qu'on va en dessous ou on se barre parce qu'on a beaucoup trop sur nous ? Moi, je dirais qu'on se barre. Ouais, faudrait qu'on se barre. Toi, tu vas me drop une dinguerie, je le sens. Chiche, 5 flèches que je peux pas prendre. Portail en bas là. J'en ai en face de moi. T'es où? En bas, je suis descendu. Ah oui, là. Enfin, je crois que j'en ai un ici. Ouais, c'est terrible de jouer avec si peu d'FPS. On va lancer le jeu après. C'est vraiment injouable. Même moi là, j'en ai 38 là, ça commence à être peu là. C'est critique, hein. Vas-y, ah. Prends le portail à côté de toi, hein, du coup. Parce ouais, que moi, j'en cherche un autre. Hein. Ouais, faut absolument qu'on se barre tous les deux là. Ça va, t'as trouvé ? Non, pas encore. Le problème c'est que je crois qu'il y a la race au milieu. Ah si, j'en vois. Il y a un joueur sur moi. Je l'ai tué. Ok, bien joué. Je me disais bien, j'avais vu quelqu'un passer. Alors moi j'ai un portail, j'y vais parce qu'il y en a vraiment qu'un. T'inquiète, vas-y.
Ah putain. Ah non, y en a deux ici. Ok, je vais avoir un souci. Je pense que j'ai aggro un boss. Tu veux que je vienne t'aider? Non mais y'a trop de mobs en fait. Non non, la zone fait trop mal à la fin, casse-toi. Je me casse, ok. Là ça va, elle se tient encore. Ça va, t'y arrives ou pas? Je suis en train d'ouvrir. Ouais, c'est bon je crois. Au calme. C'est bon. Nice. Non, c'est pas moi qui renoue NTX. Ok, 160 XP. Et là, je m'extrais avec tellement sur moi là. J'ai 222 gold. C'est de la merde un peu, moi. Oh, ouais, c'est une folie là. C'est vraiment. Ah oui, toi t'as des. Ah oui, toi t'es full bleu. J'ai 5000 balles. 5000 balles. Moi j'avais rien de bleu. Eh, bizarre, j'ai pas vu un truc bleu dans la game. Bizarre, t'es fou, non? Trop chelou en vrai. Ah ouais, là c'est bon, je suis bien. Je vais relancer le jeu pour le Memory Leak parce que c'est insupportable. Et en vrai, avec ce que j'ai là, je vais acheter une arme bleue, je pense, direct. Hein. Combien ça coûte une arme bleue? ⁇ 4200. C'est une one-end. Ah ouais, mais la longue sword, elle est à 10k, frère. Casse les couilles. Reviens vite fait. Vas-y, vas-y. Bah, je vais acheter une longue sword comme ça, et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors, trade, map purchase. Acquire, qu'est-ce que c'est? Pue sa mère. Elle est nulle. Mais bon, plus 21,3% damage. La plage de dégâts est plus grande, voilà, on peut se consoler comme ça en vrai, hein, c'est ok. Hein. En vrai, on peut se consoler comme ça, c'est fine. Vraiment fine, quoi, on va dire. Est-ce que j'ai des challenges terminés? Non. Reach level 15, 12 sur 15. Sachant que là, mon perso, il a double passif. Et à 70, quand je whirlwind, j'ai énormément de résistance pendant le spin. Ok. Bah, je suis bien en vrai. Hein. Combien ça coûte à l'alchimiste de faire des bandages? Je sais même pas. 3600 pour faire les 30. On peut pas faire les 30, je pense. Hein. Ah, je peux faire des shielding potions. Ah, je vais rien faire de tout ça, je pense. Ok, je suis prêt. Je crois que j'ai rien de plus à prendre en vrai, hein. J'ai appuyé sur le push tout au long. Je reviens de speed, les gars. Je vais relancer le jeu, tiens, j'en profite. J'en profite. Exit game. Je relance le jeu pour le memory leak parce qu'il est existant, hein, évident. Là, j'ai plus d'FPS en fait. J'ai plus d'FPS. Je suis à 20 FPS dans les trucs, c'est insupportable. Oh. Si je suis en fight, je vais avoir envie de péter un plomb. Merci à toi, Nigma Ben. Merci à toi pour ton 8e mois d'abonnement. Je relance. Ok, normalement j'ai récupéré mes FPS, merci beaucoup de me les avoir rendus. Hop là. T'as bien hit ton mate, non? Bah en fait, je lui fais pas de dégâts. Je lui fais pas de dégâts. Sachant que là, les gars, en plus, si on passe au stuff bleu, les stuff bleus, ils ont un flow de fou, hein. Ils ont un flow de malade, hein. Penses-tu participer au Ghoul Terminator? Sinon, comment expliques-tu ce choix? Je sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que c'est, je suis désolé. Regardez-moi le casque, comment il a trop de flow.
Et après celui-là, le violet là, pouah. Pète sa mère. Mais regardez, en fait, on passe d'un casque qui donne un peu de physical resistance à un casque qui donne un peu de physical resistance et de la max life. Et un casque qui donne un peu de physical resistance et de la max life et de la force et jusqu'à 3 attributs. Alors que là, c'est 1 à 2 attributs. Et là, c'est 1 à 2 attributs. Là, tu peux avoir 3 attributs, 12% max life, 16% physical resistance et 6 strength. La dinguerie, mon gars. La dinguerie. Pareil pour le chest, hein. Stamina, la strength. Et si on regarde les accessories, regarde. Là, tu vois, moi, je prends les Ring of Will ici, tu vois. Ring of Will, un ou deux trucs. Mais si on va au bout. Regarde. 6 stamina, critical chance, physical pénétration et 2 à 3 attributs. Et on peut aller encore plus loin avec les anneaux légendaires qui peuvent donner. Oh, le Will, t'en as plus besoin à ce niveau-là. Mais en gros, là, tu vois, damage, critical strike, max life. C'est quoi la différence? Ok, je suis là. Ah putain, c'est des. Melee critical strike inflicts grievous wounds on the target, reduce healing. Ah ouais, ok, d'accord, ça réduit le heal, donc ça, c'est un anti-heal. Inflicts vulnerability. Ah ouais, tu regardes les légendes. Increasing the damage they take. Ça augmente les dégâts qu'ils prennent quand tu crites dessus. Là, ça fait quoi? Tuer un ennemi augmente ton critical strike par un petit peu. Ça peut se stack jusqu'à 8 fois. Cet effet reset en entrant dans le second level du donjon. Tuer un ennemi donne une protection shield qui absorbe un petit montant de dégâts qui reste 20 secondes et peut être trigger qu'une fois toutes les 20 secondes. Using an active skill damage. Increase skill damage and movement speed by. Quoi ? Oh, ça c'est incroyable. Ok, ça c'est incroyable. En gros, à chaque fois que j'utilise par exemple mon tourbi, je cours plus vite pendant 5 secondes. Donc pendant le tourbi en fait. Ça c'est une dinguerie ça. Attends, je vais regarder moi la masse unique. Defensive stance does not reduce your movement speed. C'est-à-dire que tu restes avec le du cours à une vitesse. Attends, je cherche ma Legendary Sword moi. Legendary Sword, les hits. Quoi ? Oh, ok, d'accord. Non, mais regarde les uniques de Sword. ouais. Les hits ont 25% non, de chance ça, de faire unique. C'est pas la unique. Attends, mais comment on fait pour avoir l'unique ? Unique, c'est. Bah, dans le filtre à gauche, item rarity, tu mets unique. Oh putain ! Ah, mais y'en a pas ? Ah si, toi, un Dead Sword. Ah, mais c'est juste qu'elle existe pas dans le shop, ok. Mais du coup, toi, vu que là, t'es en mode classe fighter, c'est-à-dire que tu peux jouer aussi la masse unique à la fin. Ouais, je peux la jouer aussi, effectivement. Mec, quand je réussis une perfect parry, ça envoie une bolt d'éclair qui touche la target et qui fait énormément mal. Genre, je réussis une perfect parry, splaf, le mec se fait blast. C'est une dinguerie, t'as même pas besoin de taper, tu le tues. Moi, c'est. J'ai pas les mots. Hein. Tu sais, c'est quoi le shield unique? Ah, bah, c'est celui-là, le Umbral Ward, regarde, lis-le. Le Umbral Ward ou ça? Ah oui. Successful blocks restore a small amount of life. Persephone. Genre, tu bloques, ça te régène. Ah ouais? Oh la dinguerie! Non, ils ont pété un plomb. Ils ont pété vas-y, t'es en mode, tape-moi, vas-y, ouais. Wouah! T'es marre! Mais il me faut absolument ça. Qui tire. L'arbalète, elle tire des icy bolts qui frisent la target pendant 2 secondes. Ouah, toujours plus, non mais craqué. Tu tires, le mec il bouge, hop, il est mort, c'est dommage. Il est mort. Attends, mais non, mais le shield me fume, genre vraiment, c'est, tu ouais, lèves c'est... le shield, ouais. Non, ouais vas-y, après, c'est des uniques, tu vois. Je sais même pas s'ils sont dans le. Attends, j'ai besoin de me heal, vas-y, tape-moi. J'avoue, on peut. En fait, genre, on peut se drop le heal et genre, tu sais, le shield et en fait, on s'entre-heal comme ça. On a juste à se taper. Et en plus on peut pas se taper, donc c'est et parfait. C'est juste successful block. Donc en fait, tu bloques, je te tape, je te fais zéro, tu régènes. La dinguerie. Je reviens des spies et ça tag. Ouais, je pense qu'ils ont un peu craqué sur les uniques là. Ouais, il y a des trucs que tu lis, ça paraît un petit peu abusé quand même. Bon, après je me dis, ça doit être vraiment très dur à avoir hein, vu où on en est nous. Déjà, on n'arrive pas à avoir un stuff au-dessus de vert là, donc bon. J'ai envie de te dire, peut-être que Unique t'en a une fois tous les 1000 ans, hein, je sais pas. Là, on en est très loin. Hein.
je me suis tapé le pied sur le truc qui bloque les portes là. Ah, ça fait trop mal. Le truc qui bloque les portes? Tu sais, quand les trucs qui fait que la porte elle tape pas le mur là. Ah, la grosse porte à la cafette là? Ouais. Ah, et tu sais, il y a la petite boule là sur le bord du mur. J'ai couru, j'ai tapé dedans avec mon pied, ça fait trop mal, sa mère. Je me suis démoli. Ok, vas-y, t'es prêt? Ah, j'ai mal. Je suis prêt. Go chercher les bugs multiplicateurs avant qu'ils fixent pour se faire une petite réserve de shield. Et je te jure, hein, moi je pense qu'il y a des dégâts multiplicatifs qui sont stupides. Il y a une stat, mec, pourcentage de damage. Il y a un truc qui peut être stupide en tant que guerrier, c'est que tu peux monter à plus de 100% de dégâts. Ça veut dire que tu mets des hits à l'épée de main qui sont à 250 en fait. Et si tu fais ça, ouais, bah c'est deux coups, c'est mort en fait. Deux coups, tu tues n'importe qui. Sauf les gros knights, mais en fait les knights c'est quatre coups, tu vois. Enfin, c'est trop con. Après, comme je disais quand t'es parti. Je sais pas à quel point tu peux avoir des uniques, mais pour l'instant on est tout en vert alors que ça on a 10 heures de jeu, tu vois, donc Ouais, après on joue pas trop ça, ils font cours sur tous les fights et tout, tu vois. On limite beaucoup. Après tu me diras, il y a déjà des mecs, des teams de tryharders à 3, je pense qu'ils ont déjà fait tous les meilleurs boss des donjons en dessous. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, il y a des playtests depuis longtemps, donc il y a des teams qui se sont créés, c'est sûr. Hein. Des petites squads de gars bien vénères. Là faut juste. Là, viens, on va faire un boss en vrai. T'es pas chaud, on essaye? Vas-y, on essaye. Attends, j'arrive. Hop. Genre là, par exemple, on a quel boss? On a rien à côté de nous. En vrai, on va crash test là. C'est parce que les boss, ça se trouve, ça loot du gear, hein, du vrai gear. Hein. Limite, on joue safe dès qu'on prend un hit, on back off et tout, on joue tranquille. On est dans la game au cas où. Ouais, je suis là. Ah, tu t'es déplacé jusqu'à ton frigo qui est à 2 mètres, du coup t'as mis 8 ans à venir. C'est ça. Ok. Je vois que Sunze actuellement il est sous debuff de move speed parce qu'il est sous béquille. Non, je détends les béquilles chez moi, je me rampe. Ah, je comprends. Ah oui, j'ai 60 FPS, oui, faut bien relancer le jeu. Mais moi j'ai pas de problème, hein. Je suis à 70 là. Ouais, je suis à 70 aussi. Ouais, mais j'ai pas relancé le jeu. Ouais, mais toi t'es une légende, mec. Ça faut que tu le saches, mec. J'ai une arbalète, donc je pense que je vais y mettre toutes mes bolts sur le boss. Pour histoire de tester un petit peu les HP qu'ils ont. Oh, une big épée verte. Bah elle est mieux que celle que j'ai achetée. Ça me pète bien les couilles. Ça me fait bien chier. Bah le seul boss qu'on peut faire, c'est le gros troll, il est en plein milieu de la map. Alors, faut qu'on traverse la map. Allez. Attention, cherchez. C'est moi qui prends, t'inquiète. Pas très cher. Va où toi? Donne-moi des bolts, l'archer, là, pour voir. Je peux pas donner ça, petit bouffon. Il m'a rien donné, le petit bouffon. Ouais, j'ai un setup gaming, un seul PC, ouais. Mais en vrai, il est mal opti, le jeu, parce que... quand même un bon PC quoi. Puce à merde. Voilà. Puce à main. On est loin ou pas? Je sais pas trop à quel point on est loin. Il y a deux scrolls en tout cas là-bas. Ce serait bien qu'on les prenne en vrai. Ouais. Oh le bâtard, il m'a touché. C'est bien niveau popo de mana ou pas trop? Je peux me mettre des bandages. J'en ai une, t'inquiète. Ouais, bah... une, ça suffit pour une game en vrai. Mais c'est assez dur à avoir. Après, ce truc, c'est que je commence à avoir pas mal d'HP quand même. Ouais, non, mais je t'ai pas mis un full heal. Tu consommes plus de mana avec un full heal? Bah, je crois que non, donc je devrais peut-être faire full heal tout le temps. Ouais, je crois que c'est en pas... fait, à partir du moment où j'appuie sur le sort, mon mana est consommé, donc je pense pas. Ouais. Ça change rien, ouais, c'est non, quasiment sûr. Quand y'a pas d'ennemis, faut que je fasse du full heal tout le temps, du coup. Y'a des gants en cuir que je vais prendre pour essayer de les vendre, même si bon. Il y a un petit parchemin là. Il y a surtout Bounty Man. Faut le tuer, hein. Lui il peut drop des... Bounty, je sais toujours pas à quoi ça sert en vrai. Hein. Mais si, ça fait le challenge. En fait c'est l'event. Ah oui, oui. Wesh. Ah oui, c'est toi, putain, ça me fait peur. Là, quand tu prends un coup de masse, ça fait peur. Hein. Et ça, ça peut drop des crowns. Donc en vrai, tu vois là par exemple, c'est un petit horse 42 trucs, je l'ai pas pris parce que... j'ai tout pris la game dernière, je suis encore en mode. Ah, il y a un buff dommage.
Ah, y'a deux archers, aïe. Ça y est, y'a un archer à gauche aussi. Ouais, j'essaie d'ouvrir la porte pour le go. Attention, il te tape. Ah, les deux, hein. Oula, 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 oula. Ouais, ils t'ont go comme des ouf. Ils ont deux flèches chacun. Ok, donne-moi des flèches pour voir. Dommage. J'avoue que des petites flèches, j'aurais pas dit non pour tuer le boss. Je prends le buff de dégâts. Et go le troll, non? Ouais. J'ai presque envie de courir sur le parchemin là-bas. Pour en avoir un. Je cours dessus. J'ai chopé des flèches. Où est-ce qu'il est? J'ai chopé des flèches, je vais te les passer. Je le vois pas. Ouais, je me casse, hein. Ok, c'est bon, j'ai un scroll. Ouais, moi je l'ai pas trouvé donc FF. Hein. FF, je reviens. Je vais me mettre un bandage. Deux bandages même. Oh oui, non, un seul ça suffit. Ok, le boss est plus... Il est plus dans la zone, le boss. On irait pas à la vraie... Ah, c'est la première fois que j'ai le passif de stamina, alors il fait quoi? Divine protection. Attends, quoi? Oh, mon truc qui me donne la mousse-speed et un shield, maintenant il te donne un shield à toi aussi. Oh, bien. C'est ça le passif de stamina, il est bien en vrai. Oh mec, attends, je prends le truc pour le raise. Je crois que ça c'est le truc du raise. Attends, insane le passif stamina, c'est la première fois. En fait, tous mes trucs qui donnent de la stamina, ils sont G-max là, ils font tous 6. C'était quoi ce bruit là? C'est quoi là? T'as trop bien, maintenant je peux te mettre un shield à toi aussi. Ouais, c'est très très lourd. Hein. Je rentre. Oh bah non. Ah, je crois qu'il y a une... Il y a un autre altar là-haut. On a arbalète verte sur lui, là. Oh oui, 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 oui. Ça, mais c'est une petite, je crois. Je sais pas. Non, c'est la même que celle que j'ai en vrai. En mieux, du coup. Hein. Ouais, ouais, ouais. Hein. Plus de weapon damage. Et elle a plus de dégâts de base. C'est excellent, c'est excellent. Mais les boss, ils sont loin. Ouais, en fait, ils sont méga loin. Donc, en fait, on peut foncer au troll, sauf qu'on a 22 secondes avant que la zone elle shrink. Donc, moi, je suis plus en mode, viens, on va à la Vrace au sud. Full sud, là. Ouais. On pourrait presque skip, je sais pas comment dire, tu vois. Genre... Je vais éviter les flèches. Genre là, tu vois, on va tout droit, sachant que ça a déjà été ouvert ici, en plus. Y'a une porte, là, non? Ah non, y a pas de porte. Ouais, tu vois, on court comme des ouf. On ouvre ça, on ferme et on skip tous les mobs au moins. Ah, il me bloque, je peux pas passer. Merde. Ah, j'ai vraiment pas le droit de passer quoi. Oh putain, viens. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Ok, et maintenant sud. Ouais, je crosse hein, Alec. Il y a un mec à notre droite de l'autre côté du couloir. Yosef. Là, il y a un petit gobelin de merde. Aïe. Oh putain. Il y a un des mecs de l'autre côté par rapport à nous. Attention, il nous tire à l'arbalète. Il nous tire à l'arbalète. Ah ouais, mais fais gaffe. C'est catastrophique là, ça y est. Voilà, il a raté sa truc. Oh putain, il me go. Ok, t'inquiète. Je te mets ton shield, hop. Ah, y'a un mec sur moi derrière moi. Ok, je reste collé à toi, je reste collé à toi. Je reste collé à toi, tout va bien. Non, ça va pas, ça va pas. Non, ouais, il était en épique. Lui, il est trop stuff, lui, mec. Hein. Il est en bleu ou un truc comme ça. Non, il est full vert, il est comme moi. Mais attends, mais le spell est fou parce qu'il m'a 100-0, genre. Ouais, en fait, en gros, ton seul moyen de tanker, c'est de prendre ton shield et de clic droit. Et tu vois, en fait, là, il y a deux guerriers. Donc, en fait, t'as 100-0. Il avait un stuff de fou. Il est niveau 17, il a 55 de force. Ouais, il avait un stuff de zinzin.
Attends, c'est lequel? Oh, putain, je l'ai perdu. C'est Maxime K là. Mais c'est pas lui qui nous a tué en fait, c'est pas Maxime K. C'est son qui pote. Mais c'est Bedrovet, mais son pote Maxime K. Après, peut-être c'est Maxime K qui nous a défoncé, mais Bedrovet qui nous a fini, tu vois. Ouais, c'est possible. Ouais, mais regarde le stuff de Maxime K, gros. Ouais, mais même Bedrovet, 55 de force et tout, c'est trop vénère en termes de dégâts. Hein. Non, mais là, les... en fait, les deux guerriers avec ce spell là, mais stupide. Il laisse tomber. C'est stupide. Et ton genre seul. Ton... Ouais, on était au milieu de deux teams, je crois. Hein, parce que du coup, en fait, les mecs qui avaient en face de nous, c'était pas des warriors. Là, on était entre deux teams. Non, mais là, c'était impossible. C'était impossible. Le mec, on prend le double tourbillon, genre one shot. Et pourtant, j'étais en train de spam le heal et tout. Mais comme je t'ai dit, le seul moyen de tanker, c'est sortir de le shield et clic droit. C'est tout. Tu prends pas de dégâts. J'étais en train de spam le heal comme un con. Ouais, non, trop stuff. Et encore un retour à la case départ. Tu vois, c'est ça en fait le truc. Hein. C'est dès que tu vois, tu te mets à courir quelque part pour faire un truc. Mais quitte à s'en foutre, là go un boss. Même... Là on est pas stuff, viens, on prend rien, on va juste au boss. Vas-y, vas-y. On prend rien, on va juste au boss là. Et on teste. Parce qu'en fait, je me demande ce que ça drop. Si ça drop des trucs bien, en fait, faut faire que ça et s'extraire, tu vois. Genre c'est. Bah oui. Parce que là en fait, enfin notre façon de jouer elle est pas bonne parce qu'on peut pas avoir de stuff quoi. Oui, en gros, là, on compte sur le fait de faire des thunes, d'acheter du verre. Sauf qu'en fait, là, le seul moyen que je puisse tanker ça, avoir une chance, et encore, même contre deux guerriers, je pense que je suis mort, quoi qu'il arrive. Tu vois, là, on est mort, quoi qu'il arrive, je pense. Deux guerriers qui te tourbillent dessus, si j'ai pas mon shield et que je le lève pas, c'est mort, tu vois. C'est mort ouais. De chez mort. Mais ma seule chance, là, on est encore à l'autre bout de la map. On est encore à l'autre bout de la map. Mais on peut se dire qu'on s'en fout et on qu'on court. On a pas de boss à côté, ils sont tous de l'autre côté, mais y'a rien chez nous. Y'a rien du tout. En fait, ils sont fixes, même la position des boss est fixe. Oh, je prends tellement cher comparé à avant. Ouais, je suis déjà mis de life. Hein. Ouais. Et même... Ouah, ce qui m'a mis. Attends, 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 faut que je prenne mon bâton là, attends. Ouais, quand même, hein. Ouais, pour moi, le guerrier là, le tourbi, c'est pas normal. Hein. C'est vraiment pas normal. Non, c'est même pas le normal. Nombre de kills qu'on a fait avec ça, c'est trop stupide en fait. C'est vraiment trop n'importe quoi. Un mec au-dessus là. Ah ouais, ouais. Ah bah là. Ah devant, devant, vas-y, go. Vas-y, go, go, go. 103. T'as pas le truc. Là, je peux pas taper à travers toi, on est d'accord. Non. Ah merde, il est invincible. C'est un counterplay. Avec, hein. Ah y'a un mec derrière moi. Ah non c'était un squelette. Tu es mort. Non mais voilà le tourbillon en fait tu m'as fait one shot. Je vais tenter de le go. Non c'est trop. Ok. Ouais non c'est trop stupide ce truc. Ouais je suis mort, c'est un tourbillon. Y'a deux teams. Ah non. Non non si si c'est deux teams, c'est deux teams. Il va me taper. Oh bah d'accord, il a cancel son coup. Non, je sais pas s'il a fait exprès. Oh, s'il a fait exprès, c'est de la dinguerie ce qu'il a fait. Parce que du coup, j'ai voulu parer. Si on peut faire ça, du coup, il y a des vraies mécaniques. Oh, je sais pas s'il a fait exprès de faire ce qu'il a fait. Comment on fait ça? Wouah, c'est de la folie là ce que je viens de vivre. Le mec joue bien. Bon, bref, juste j'ai tourbi, il a appuyé sur son ice block quoi. Donc, ah, le tourbillon c'est trop nul, genre en vrai. Ouais, c'est trop nul, je suis trop nul. Je suis full vie, mec, je me fais 100-0, j'ai beau me heal, ça change rien, genre. Ouais, en fait, le problème c'est qu'il y a aucun counterplay en soi, tu vois, à part être un cryomancer et avoir un ice block, tu vois. Ouais, mais tu sais que j'ai même pas le temps de. En fait, s'il commence en tourbillon, impossible que j'ai le temps de switch et de bloquer, je meurs avant. Ouais, tu penses, tu prends si cher que ça? Mais c'est super long de switcher et de bloquer, hein. En vrai, faut spot tout de suite qu'en fait t'as un guerrier contre toi et jouer bouclier tout de suite, tu vois. Ouais. Le pire hommage à la shockwave qui pousse, non? Ouais, mais en gros, le guerrier, lui, il a un dash. Donc en fait, suffit que t'arrives à le gap close sans qu'il fasse son bump. Et s'il te fait le bump, bah tu lui dash dessus, tu vois. Le tourbi a l'air un peu broken. Ouais, c'est absolument n'importe quoi. C'est vraiment absolument n'importe quoi. Je pèse mes mots. Là, je veux faire un boss, en fait. Un bouton qui OS toutes les 30 secondes. C'est ça. Un bouton qui OS toutes les 30 secondes. C'est littéralement ça. Je sais pas si c'est une... Je pense pas que ça devrait être la méca, en tout cas.
C'est un peu trop vénère. Limite un slash qui repousse ou qui attire, j'en sais rien, tu vois. Parce que le fighter, il préfère que les gens soient attirés. Je pense. Et on en a à côté ou pas? Ouais, on en a juste à côté. On peut le go direct. Là, faut passer à droite, là, ouais. Limite, on peut tuer. Attention, là, on se tape, hein. Tu mets des gros coups dans son crâne, là. Son crâne chauve. Ouais, et le boss, c'était là, d'ailleurs, que je l'avais joué, moi. Ouais, je crois bien, hein. Ah ouais, il va vite, putain, non, c'est pas... Alors, essaye de cancel, comment il a fait? Tac. Non. Pas comment il... Attends, pas comment il a fait, moi j'arrive pas. Il y a peut-être un bouton, hein. Attends, je regarde. Attaque charge, défense, interaction, close, weapon set. Il y a peut-être un bouton cancel, hein. Peut-être il fait clic gauche reload, non. Clic gauche accroupi. Ouais, parce que moi aussi je l'ai vu faire un truc bizarre, mais je sais pas comment il a fait. Hein. Y a pas un passif, non, je mets une tête. Ah non, mais mec, simple, c'est comme ça qu'il a fait. C'est qu'en fait il a voulu taper. Et il y avait un mur, en fait, tu vois, il y avait un mur, et du coup, en fait, il a pas voulu cancel, il devait être genre comme ça. Attends, alors regarde là où t'es, à ta place, et en fait, devait y avoir un mur, et ça a fait ça. Ah merde, ça le fait pas. Non, même pas. Hein. Avec une porte, tu vois, parce qu'avec les portes, ça le fait, ça cancel. Ok. Il est en bas, non, le boss? Ah non, il est là-bas. Il est là-bas, ouais. Attends, je vais prendre l'huile. J'en profite. Je sais pas trop. Je sais pas. De toute façon, je suis pas dev, hein. Je suis pas là pour leur dire vas-y, quoi faire. Je vais essayer de mettre mon shield et de le tanker au bouclier, le boss. On va voir si je peux, mais je suis pas sûr. On va essayer. À mon avis, il va nous péter en deux, mais bon. Parce qu'il met très cher. Hein. Surtout que là, on a plus de damage comparé à avant. Ah, c'est dommage, j'avais des bons rings et tout. T'en fous, on a plus rien à perdre. Ouais, c'est clair. Et voir la value de faire ça. Ok, le boss est là. On la pull. Il charge pas. Surtout que ses coups sont assez simples à esquiver. Ah non, c'est pas lui. Putain, fais gaffe. Ouais, là, faut s'écarter. Attention. Alors, attends. Donc, là, c'est toi qui as la shield. Je vais essayer de tanker, du coup. Alors, comment ça fait? Ok, je peux pas. Oh, il m'a tué. Ok. Donc, le bouclier ne sert absolument à rien, je te le dis. Ou alors il a tapé à côté de mon bouclier, je sais pas, mais... Non, il t'a déchiré en deux coups, frère. Eh, mais j'avais le bouclier levé, en plus. Ouais, j'ai vu. Oh, il m'a slow. Ok, j'essaie juste de... Ok. Ok, il tape à gauche. Il tape devant. Ouais, il est un peu con, là. Regardez Maslow, il va dash là non? Je crois que c'est quand tu t'éloignes trop peut-être. Ça se trouve c'est toi qui proc ses sorts en vrai. Ah oh les petits gars. Oh, oh. Maro slow. Ok, j'aime bien. Mais dis pas, il est bloqué. Mais non, il est bloqué. J'ai juste pas envie de me faire OS. Je pense qu'il est bloqué. Hein. Mort. C'est trop slow. Ah, mais ouais. Ouais, du coup, là, il était bloqué. Ok. Ouais, là, en fait, j'étais trop slow, malheureusement, par le truc. Bon, bah, du coup, mon bouclier sert à rien contre le boss. Mais c'est bon à savoir. En fait, il faut vraiment jouer avec les aggros. Celui qui a l'aggro, il bouge pas. Tu vois. Ouais. Enfin, il bouge, pardon, et l'autre il tape. Et dès que l'aggro change, on switch. Ouais, parce qu'en fait, c'est juste les aggros qui sont débiles, du c'est coup. C'est juste ça. À l'arbalète, limite. Bah, le problème de l'arbalète, c'est qu'il faut l'arbalète et il faut les flèches. Ça coûte cher. Et j'aimerais bien, parce qu'en fait, il a beaucoup d'HP le mob. Et je me demande si le tuer a une certaine value. Et probablement, tu vois. Probablement. Parce que tu vois, s'il nous drop des équipes bleues. Si ça sert à rien, ouais. Voilà, s'il nous drop un bleu, tu vois, je suis prêt à me dire, vas-y, viens, on fait plus que les boss, tu vois. Parce qu'en fait, comme ça, on se full stuff bleu, on enchaîne les extracts sur des items bleus, et voilà. Et après, une fois que t'es full bleu, bon, par contre... Ouais, c'est vrai que c'est un retour à zéro. Bah là, après, on avait rien, là, les gars. On a rien pris, justement, exprès, parce qu'on s'est dit, vas-y, on s'en fout. Go, tu vois. On s'en fout. Ah, on est à côté.
Oh parfait, on peut y aller direct. On passe par un direct. Juste voir par où passer, c'est bon. Hein. J'ai peur de te taper. Ah oui d'accord, donc là il y a juste un chest. Là on a trop peur de se taper maintenant. Dans D&D, le farming du boss sur la map solo était plus rentable. Moi je me souviens que je faisais le... En archer... Ah bah tiens parfait, un torse. Ah le troll. Je me faisais le troll là en solo. Oh il y a une potion de mana mec. Je le laisse dans le chest. Ah il y a un mec à côté. Attends, on a spawn sur un parchemin là ou il est... Ah non il est en bas je pense. Pas comment aller au boss, faut monter je pense. Ouais ouais c'est ça. Ces deux petites merdes ont 200 HP en fait, elles ont que dalle mais bon. 4 strengths, 2 weapon damage, je prends... Necrotic Root, bah j'en ai rien à foutre en fait des compos, j'avoue que je les ramasse mais bon. Terra Root, bon c'est bleu je prends, tout ce qui est bleu je prends. Ce qui est bien c'est que ça ressemble pas du tout à l'entrée du troll dans Dark and Darker. C'est vrai hein, c'est vrai. Alors attends, est-ce qu'il y a des ZAD à côté? Ouais. Ah ouais, ok, peut-être pas gros le boss maintenant, on recule un peu. Oh putain j'ai pas... Oh y'a un archer en plus. Parfait, je l'ai fait toucher. Wouah, j'ai pris trop cher. Tu... Attends, je vais... Tu es mort. Wouah. C'est l'archer qui m'a... Je vais mettre un full là. C'est bon, lui il pourra pas taper pendant un moment, il va mourir. Voilà. Reste plus cool. Alors okay. Attends, comment c'est le boss que je tape des heals et que je bois ma potion là? Allez, une petite sword là, ça serait bien là-dedans. Comme ça, je peux taper fort. Y'a rien. Y'a rien du tout. Bon, ok. Ce que je peux faire. Est-ce qu'on... Ouais, vas-y go. Y'a un petit, oh, un petit tas de là, vas-y, vas-y, vas-y go. Il faut un gros l'archer là. Il va me go, il va me déchirer s'il lance le flèche. Il a pull. Je peux le finir, alors, je peux finir l'archer. C'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai. Allez, je reste là pour l'instant. Écarte-toi. Ouais, au calme, au calme. Ouais, y'avait un... Y'avait un... Okay, c'est ah, c'est moi. Toi. C'est une charge en plus. Ah, est-ce qu'il la garde sur toi ou pas? Alors je cours, je vois, je vois, je vois. Ouais, c'est sur moi. Il retache. Je mets un coup, je back. Et redash. Dash. Bon, heureusement que les agros sont débiles en vrai. Ok, il redash. Ok, il m'a slow. Ok, je passe en torche. Ok. Attention. Ok, je vais me heal. Il doit être mid-life, j'ai l'impression qu'il saigne plus qu'au début. Oh putain, il m'a slow, s'il se retourne sur moi, je suis dans la merde. Ouais. C'est toi, ouais. Je vais mourir one shot, hein. Ok, j'ai esquivé. Attention. Oh. J'ai vu le kill. Il était trop drôle. Il était trop drôle. Mais je suis derrière, frère, c'est de la merde. Oui, mais son épée t'a touché. D'accord, donc son épée fait un 360 j'imagine. Ouais un peu. Ah hey, ici t'es bien, en sautant tu fais ski. Eh ben en vrai. Ah non. C'est quoi? Merde. Attends. Je suis sûr qu'il te tape hein, en vrai. Ah, j'ai tenté, j'ai tenté, je voulais voir ce que ça faisait. Ça pue sa mère gros, je suis derrière lui, tape genre. Ouais ouais, il envoie sa lame bien derrière. Ok. Bah moi, pour moi il me reste que la solution de j'achète 20 000 bolts et je lui mets tout dans la bouche hein, mais il a l'air d'avoir beaucoup d'HP hein.
Bon bah nouvelle info, en vrai il est toujours faisable hein, mais voilà nouvelle info, faut que je recule même quand je suis derrière quoi. Ouais quand t'es derrière, mais le problème c'est que toi il faut une arme avec une plus grande allonge. En fait moi l'avantage c'est que moi j'ai une arme avec une grande mais moi, allonge. J'ai pas, je peux pas. Bah t'as que le feu quoi. Ouais mais le temps que ça recharge... On peut retry en vrai, je suis trop curieux en vrai, je suis trop curieux de réussir à le tuer. Vous êtes deux aussi, c'est vrai qu'on est deux, c'est vrai qu'on est deux. Et qu'on abuse de rien là pour l'instant. En fait, même si le mob est buggé, quoi qu'il arrive, en fait, il va taper et il a quand même de l'allonge. Parce qu'il envoie son corps en avant et tout. Moi, j'ai une allonge assez longue, donc je peux me permettre de lui mettre des hits. Mais évidemment, la meilleure allonge, c'est l'arc. Hein. Y a pas mieux. Ou les boules de feu du mage. Mais bon, vas-y. Comme d'hab, hein. Mais c'est bizarre le truc d'Intel, je comprends pas, c'est OBS qui bug les gars, pour le truc Intel là qui apparaît en énorme. On est loin là, c'est ça? On a une Vrace à côté. Bon. Allez. Alors la Vrace, elle tape 360 elle. Bah ah, comme bon. Le tuer d'avant. Ouais, ouais, vrai, mais genre tu sais, elle s'arrête, elle fait des grosses smashes. Et en solo, je sais pas si t'as fait le boss du loup-garou. Ouais, j'ai essayé. Et moi je l'ai tué. Franchement, ça se passait plutôt bien en vrai. Jusqu'au moment. Je suis mort, mais en mode il était pas très dur, je trouve. Bah en fait, le loup-garou, je trouve pas que c'est vraiment un boss parce que le loup-garou, moi, je pouvais tanker avec mon shield tranquille comme les mobs normaux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors que bah tu vois l'espèce de chèvre là qu'on a fait tout à l'heure, elle m'a touché sous shield. Ouais, ouais, putain, j'étais touché, désolé. Mais le loup-garou, non. Le loup-garou, je pouvais tanker ses coups pendant facile 10 minutes quoi. Oh, j'ai eu une épée incroyable. Hein. J'ai une big sword. Elle est où? Elle est là, ouais, j'imagine. Ouais, c'est là. Ah, oh, trop bizarre l'entrée, jamais vu ça. Hein? Ah, t'es là où t'es? Non, je sais pas, mais. Enfin, si on peut casser les planches, t'es là. Ouais, je peux pas t'aider là. Ouais, ça doit être là, je pense. Bam! Trop bizarre, jamais vu cet endroit. Ça me fait penser à la map solo de Dark and Darker. Ouais, tu trouves? Pourtant, y'a rien qui est inspiré. Ouais, ça m'a l'air vraiment unique, hein. Ouais, elle est au milieu de la map. Ah, bah ça y est, elle vole, hein, elle t'a aggro. Ouais, ok. Ok, attention. Wow, it's the fuck. Yiii! Yiii, y'a des squelettes! Elle fait spawn des squelettes? Ah bon? C'est pas elle qui a fait ça? Je sais pas. M'a mis mid-life sur un coup. Mobs, hein. C'est compliqué pour moi de te heal avec tous les mobs là. T'inquiète. Hop. En vrai, mais si. Par contre, elle reste pas en aggro sur nous, elle. Elle se barre. Oh! Elle vient de spawn. En fait, elle disparaît et elle spawn, genre. Ah oui, STP en fait. Tiens! Tiens! Ah oui, je là, invisible. Ok. Reste en mouvement. Va sur toi. Je reste bien loin. Merde, je suis tombé. Oh non, où est-ce que je suis? Oh, y'a un gros chest. Non, je vais le loot. Sur toi. Oh non, je vais le loot. Oh putain, je casse les couilles, je suis obligé de le loot. Ça. Ah, mais c'est un chest caché, il a plein de trucs dedans. Putain, j'ai mal à me taper quand même. Putain, ouais, elle galère un peu plus la Vrace. Là, elle va sur toi, je crois. Oh ouais, merde, y'a un mage de merde. Y'a un mage plein de merde. Oh, je suis mort, je pense. Bah, saute en vrai, saute. Ouais, c'est bon, je l'ai tué. Y'a là un mec arbalète là, faut que je le tue. Ok, c'est bon. J'ai l'aggro, je crois. Ok. Elle m'a mis un hit. Ok, je te heal. Te refais pas hit. T'inquiète, je reste loin. Pour bien partout. Ouah, c'est toi qui m'a cancel. J'ai un HP. Vas-y, heal-toi à fond. Non, je te heal-toi, t'es tué. Non. Oh là.
Ok. En vrai, on était mieux quand on avait les hauteurs et tout. C'était mieux pour s'enfuir. Ok, attention. Là, faut prendre la torche quand t'es comme ça pour avoir plus de move speed. Voilà. Là, on a un hit gratuit. Oh, bâtard. Attention. Ok. Attention. Voilà. Oh, ce qu'elle m'a mis. Je te heal toi, mais je crois que j'ai plus de mana après. Non, je suis mort. Oh, ah oui, d'accord, c'est ça que j'ai pris. J'ai plus. Ouais, c'est la même. Là, c'est fini. C'est la même. C'est la là, même. Là, c'est fini. J'ai plus de mana. Attends, mais elle est passée en phase 2 là. Elle fait des coups qu'elle faisait pas au début. Fais gaffe, elle a une énorme allonge en face d'elle. Oh, je suis mort dans deux là. Voilà, fin. Ah, oh, bah j'ai dash dessus. Énorme. Je voulais dash en dehors et en fait j'ai dash dessus. Vas-y, je vais essayer de le finir. Ouais, faut un peu de gear, faut un peu de gear. T'as une mana pot pour lui, mais je lui ai déjà donné tout à l'heure. Essaye de le finir. Swings. Non mais j'étais grave loin. Non mais en fait, ok, changement de plan. Je vais acheter une arbalète. Je vais acheter une arbalète, ok. Changement de plan, on revient au début, juste on achète du verre et on tape des mecs. Non, je vais acheter une arbalète. Et... changement de plan, un showdown. Oh là là. Non, je rigole, je rigole. En vrai, c'est tellement bien comme jeu. De quoi ce jeu ou un showdown? Un showdown, c'est excellent, mec. C'est vrai, c'est réel. C'est très réel ce que tu viens de dire, mec. Changement de plan, guess the game. Vas-y, je dépense mes thunes, là, je me remets en vert, là, c'est bon. Hop. J'achète full vert, hop. Voilà, voilà. Je vais m'acheter un big chest. Je vais pas prendre de quoi l'anti-TK, mais je vais me prendre un énorme chest. Ah, ton chest est énorme. Mais il est énorme ce chest que je vais acheter là. Bam. Plus une énorme teuté. Voilà. Ensuite tu vas dans trade, my purchase. Je prends tout là. Hop les! Je me mets ça là. Je me mets ça là. Je me mets ça là. D'ailleurs, ils sont bien ou pas? Fire damage, dextérité, call resistance. Ça pue sa mère. Mais c'est quand même mieux que ce que j'avais avant. Voilà. Plus de max life, plus de physical resistance. Défense level est meilleure. Donc là, je vais mieux tanker. Marchand, je revends mes merdes là. Tout ce que je veux pas. Voilà. Et là, du coup, j'ai 36 flèches. Mon épée. Et là, on go Vrace ou gros gars, comme on veut. L'un des deux. J'ai plus d'argent, perso. Ça marche. J'ai 400 balles. Donc, en vrai, attends, tu sais quoi? Quitte à faire ça, quitte à faire ce qu'on vient de faire, franchement, je vais m'acheter de quoi tirer à l'infini. Jusqu'à ce que j'ai plus de thunes. Voilà, j'ai 7 balles. 54 flèches. Il a intérêt de mourir d'ici là. Hein. Voilà, on peut prêt. Let's go. Le loot en vaut le coup? Aucune idée. Mais ça se trouve, oui. En fait, ça se trouve, il y a de la dinguerie dessus. On sait pas. Je suis en train de all-in et je me dis, attends, je vais aussi me mettre full bandage. Voilà. Potion de vie. Potion de vie. Bandage. Voilà, comme ça je me mets bien. Je peux me mettre quoi d'autre là? Pour abuser un peu. Allez, un élixir de restauration. Hop là, voilà. Je me mets tout ça là dans la game. Là, c'est le pur all-in. En me disant, on va leur péter la gueule. Voilà. Strength. T'as ton truc où on peut pas se taper là? Non. Ça, j'ai pas. Ah, c'est super le all-in. Bah ouais, mais en même temps, j'ai pas assez de thunes. En fait, du coup, j'ai beaucoup de flèches, j'ai de la vie, j'ai plein de choses, mais j'ai pas ça, ouais. C'est quoi qu'il faut, toi? C'est foi, c'est ça? C'est will, c'est volonté. Et en gros. J'ai rien pour toi. Hein. Il m'en faut 16, en gros. Ah, j'ai rien pour toi. Hein. Mais c'est pas grave. Vas-y, viens, on va jouer comme ça. Ah, si. Il te manque combien? Bah, il me manque 16. Ok. Enfin, il me manque un peu moins là, voilà. Là, il me manque plus que 10. Voilà. J'ai un truc qui fait 6. Bah, prends-le.
Toi, t'as besoin d'un truc, j'ai une amulette, j'ai deux anneaux et tout, si tu veux. Non, moi, ça change rien à ma vie, en vrai. Genre une amulette, deux weapon damage, 4 intel, t'en fous? Non, je m'en fous pas. Et un petit anneau dextérité pour courir plus vite, là, 6% de move speed, tu prends? Non, je prends pas. Ça marche. Allez, hop. Voilà, c'est bon. Hé hey, là, on a tout. Épée verte aussi? J'ai 7 balles, les gars. Ok, c'est bon, je suis prêt. Ok. Et ben c'est parti. Donc là en gros celui qui a l'aggro, il doit jouer sa life pour pas prendre de dégâts. Et ça peut passer. On aurait pu faire ce all-in quand on avait vraiment du stuff, mais bon. Ah, j'ai pas eu le temps de régène. Surely le loot sera pixel, j'espère hein. Sur l'inote, hein, franchement. Bah, moi j'ai peur qu'il y ait genre un calice bleu, quoi. Ils sont en mode voilà, t'as gagné 300 balles là, hop. Parce que le problème, c'est que tu vois, si t'es bien gear, bah en fait, c'est trop facile de tuer les boss, je pense. On a pas de boss. On peut go. On peut traverser la map d'ouest en est, en vrai, si on veut. Eh bien, allons-y, c'est par ici. On fait juste que courir, on esquive les mobs. Ouais, j'aurais dû par exemple là. Fait des dégâts, le con. Je peux me bandage. Torche en main, on esquive les mobs là. Attends, mais je vais me craquer tout de suite l'élixir de régène. Torche en main, j'ai dit. Par là. Attention, hein, il va te taper le mob. C'est bon, il a raté. Gros, je cours. Hein. Ouais, t'as raison. Ah, c'est peut-être un truc de. Ouais, ça, c'est un truc de heal. Un truc de res, je crois. Putain, on va super vite avec la torche. Ouais. Salut. Ouais, c'est big. Hop, oui, ça va, moi aussi je fais que passer ma gueule. Hop là, petit coffre. Je nous ouvre ça là. Aïe! Qu'est-ce que j'ai pris là? Je vais péter les dents. Bon, ça va, de toute façon, je régène passive. Mule pas. Je me suis mis une potion qui me régène tout le temps. All time. Archer. Attention, un archer à gauche. Ok, c'est sur toi. Il était où le boss déjà? Ah oui, il est là. Bah dès qu'on arrive devant le boss, là, mais... vas-y, bah viens, on clean ce mob alors. Ok, voyons voir une petite épée verte là, j'aimerais bien là. Dommage. Petite épée verte en vrai là-dedans. Dommage. Petite potion de huile, là j'en ai plein. Aïe, voilà, tiens dans ma gueule. Ça y est, les squelettes là, grandissez un peu. En fait, quand il nous slow, il va nous falloir un endroit où on peut se mettre safe. Merde. Ok. Je t'ai touché. Ouais, c'est pas grave, je mets full vie. Et il pas beaucoup ta potion. Mais en fait, c'est 8 HP toutes les 5 secondes. Donc en fait, c'est passif, mais ça me régène. Tout le temps. Ok, il est là. Je l'ai pas. Ok, ça va être chaud, alors attends. Tu vas le calmer, salaud. Comment on va faire pour le stuck ou pour le jouer au besoin? Il faudrait qu'on joue avec l'escalier. Viens, on va clear le mob. Tiens, l'amulette que je voulais te passer d'ailleurs. Tiens. Tu peux aller plus vite avec celle. Allez, elle drop là-bas. Putain, elle drop super loin. Attends, ça court. Là. On l'attend, fais pas de bruit. T'as entendu non? Ouh, la porte ouvre! Ouais, j'ai entendu. Mais après, vu le son de ce jeu, comment il est, je suis pas sûr. Regarde à gauche en haut de l'escalier, on sait jamais, parce que moi je vois pas.
Oh, le Srivaker là! Oh, le bruit que t'as fait! Ça a fait full bruit? J'ai de l'argent. C'est pire que quand t'es debout! La vie de ma mère, gros, que c'est pire! C'est quoi, j'ouvre nique sa mère? Gros, écoute-moi bien, quand t'es debout, ça fait pop pop pop, quand t'es accroupi, ça fait C'est lui qui a fait ça, je crois. C'est de la dinguerie, gros. Quand... Aïe! Quand t'es accroupi, ça fait 10 fois plus de bruit que quand t'es debout. Regarde, écoute. Je sais pas si tu vas l'entendre. Ça, c'est mes pas. Ok, ouais. Écoute maintenant. Il est bien le jeu. Ah, il est pas mal. Bonne idée ça. Attends, viens, viens, on longe à gauche et on va kill le mob au-dessus parce qu'en fait, on va utiliser l'escalier pour le kite. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu montes, tu descends. En plus, il y a un truc de damage là. Ok, tu prends le truc de damage et je prends l'aggro. Vas-y. Oh, les squelettes! C'est bon maintenant. Ok, vas-y. Ok, c'est parti, je vais l'aggro. Je vais y aller à l'arba, hein, je m'en foutre. Hein. Hey, bouffon! Ah, j'ai raté ma première flash, c'est cool. Ah, attends, je suis très lent. Il a commencé par. Hey, bouffon! Prends des 139. Ok, attention à toi, t'es slow. Hein. Je sens qu'il va y avoir le malaise où je vais être en train de reload et il va switch le target sur moi. Bon, là il va charger je pense, si t'es trop loin, ça va, ok. Ah oh, je suis hors de, en dehors de sa range là. Tu peux J'essaie de rester un peu long. Attention, charge. J'ai tout le temps l'aggro. Charge, charge, charge. J'ai tout le temps l'aggro en fait. Ouais, j'avoue. Ouais, je suis en dehors là, du slow. Attends, mais il change jamais d'aggro. C'est bon, on a de la technique. Oh merde, j'ai raté. Qu'est-ce que c'est chiant à gérer l'arbalète. Attention, charge. Est-ce qu'il va changer sur moi alors que je suis en train de recharger? Non, c'est bon. C'est bon. Putain, il prend plus rien. Pourquoi il prend plus rien? Bon bah cette pièce elle est bien en vrai. Ouais ça va hein. Mais pourquoi des fois il prend 130 et des fois il prend 89, c'est en fonction de là où je le tape j'ai l'impression. Oh oh. Non. Ok. Ouais. T'es slow, fais gaffe. Toi avec les boss de Hunt t'as l'habitude hein. Ça se voit hein, c'est un joueur hein. Ça se voit hein. Ça c'est kite les boss ici. Tu sais que j'ai envie de lui mettre un tourbillon là. Hein. Pas te mentir. J'attendrai de plus avoir de flush. Ah j'ai plus mon buff damage, ok c'est pour ça. Ouais c'est pas grave hein. Bon quand même hein. Oh oh il m'a slow moi aussi. Déjà que je suis slow, je bouge pas là. Hein. C'est toujours moi. Attention, hein. Non non le mal donne pas. Mais il tourne pas, il va tout droit. Non mais il te regarde et du coup... Ah ouais, là je suis dans la merde, ok. Non mais en gros vu que t'es tu mets collé à moi... vraiment pas là. Hein. Puis t'es mis collé à moi et vu que t'es en train de reload, je pouvais pas bouger. Il veut pas changer l'aggro le poteau. 115, là tu vois j'ai mis un 115. Les HS font rien, bah je crois que si, ça crit. Hein. 115, ouais ça met quand même pas mal de dégâts en plus, je devrais peut-être me focus là-dessus. Ah ok. Au fond du siècle hein, tiens, prends ça. Allez hop. Gros slow. Il te regarde encore j'espère. Ouais. Prends 115 encore. Faut bien que je vise la tête hein. Ouais oh, fais gaffe. Je vais le prendre là. Non c'est bon. Je sais pas combien de flèches il me reste, mais tant que je continue de reload, je tire hein. Arrête pas hein. Un micro il est intuable. Ouais c'est un truc de fou. Hein. Ils ont à peine abusé sur les HP du boss, je crois, à peine.
Ah, vous voyez les flèches? Ah ouais, j'en ai mis... Oh, il a plus de 3000 HP du coup. C'est validé. Les 3000 HP sont clairement validés. Et là, il me reste 10 flèches. Moi, je lui mets des dégâts. Hein. Moi, je le brûle en permanence et tout, t'as vu? Oh, ok, il est mort. Oh. Il me reste 8 flèches. Alors, quel... Oh, ça pue sa mère! En vrai, il m'a rendu mes flèches. Tu vois, en beaucoup plus. Mais ça pue sa mère! Non, pas en beaucoup plus, non, mais il m'a rendu mes flèches. Hein. C'est vraiment pas ours, je crois. Il donne un item vert. Ouais, au top. Bah, c'est bien pour moi, mais j'en ai déjà un, quoi. Donc, okay. Je peux pas le mettre, c'est quoi. C'est le seul que j'ai acheté, quoi. Donc. Ok, ouais, c'est pas dingo, hein. Ouais. Et dans la pièce, y'a quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, j'ai jamais vu ça. M'approche pas, moi. Quoi, cette merde là? Non, bah, je crois que c'est de la merde ce truc. Et du coup, il gardait même pas un coffre ou je sais pas quoi. Genre, y'a rien, genre. Attends, je comprends pas. Trois coups ça se tue. Bah, je sais pas. C'est du fan service. Comment ça ma gueule. Alors. Oh, j'ai droppé une crown sur une petite tentacule. Oh, let's go. Bien ça. Enfin des sous, putain. Bah écoute, il aurait pu en dropper une hein, quand même, ce chien de ouais, la casse. Franchement, une crown par boss, ce serait pas mal, je pense. Bah vas-y, viens, foutu pour foutu, viens, on va dans le rouge après là. Vas-y. Franchement. Hein. Oh merde. Là on se loot, on cherche des portails rouges et puis on y va, on voit ce qui se passe hein. Oh, il a bleu. Aucun bleu. Qu'est-ce que c'est? Ah merde. Le mec qui s'arrête en plein fight. Non non non. J'attendais, je croyais qu'il était mort sur ton hit. Wow! Truc pour moi. Ah ouais, c'est une voilà, folie! Vous avez vu? 5000 HP le boss, un squelette. Voilà. Un squelette, un truc bleu. Non mais what? Aïe. Ah mais ça sert à quoi de faire les boss du coup là? J'aimerais bien savoir. C'est vrai que là pour le coup, c'est très questionnable. Hein. C'est vraiment genre juste tuer des squelettes normaux quoi. On a looté un truc bleu là, mais attends, mais 5 flèches et tout, tu sais que j'ai pas mal de flèches en vrai, c'est jouable. Franchement là, on fait le crash test pour vous, ne tuez pas de boss, tuez des squelettes. Toi tu peux pas jouer à l'arbalète hein. Non je peux pas. Quoi là-bas, c'est un portail? Ouais. Ouais c'est un portail. Mais du coup, attends, mais j'ai gagné 11% damage et tout, non c'est trop hein. À gauche. Quoi? Y'a des joueurs. Je te passe la crown, tu sors sinon. Tiens. T'es sûr on fait ça? Elle est par terre là. Attends, je regarde ce qu'il y a là-dedans d'abord. Bah en vrai, ce serait bien que tu saves ton armure bleue. Vas-y, on fait ça. Prends la crown et sort. Et comme ça, on revient avec. Aïe. Ah merde. Il y a deux portails, viens, enfonce. Redonne la crown, je rigole. Reprends-la si tu veux, je m'en fous si t'as les stocks. Je rigole, je m'en fous. Ok, ça va, ça me va. Non, ouais, moi j'aime bien. Je veux bien la voir en fait. On voit pas ouais, les stats, bah, t'as quand même. Les boss, je sais pas. Hein. Bah, on l'a tué, ça nous a coûté 45 flèches à peu près. 44, puis 45 minutes aussi. Ouais, et il nous a droppé. Bah, après, il y a un item sûr, tu vois. Mais bon. À quel ah, prix on a juste pas eu de chance, je sais pas, tu vois. Bah, ouais, peut-être, hein. Peut-être, mais ouais, putain. Heureusement que j'ai loot une couronne. Ah putain. Attends, je vais te dire on a fait un boss, je vais te dire combien il m'a rapporté cette run. Alors attention, je vends. Moi, elle m'a rapporté 2k mais parce qu'il y a la couronne en fait, c'est tout. Ah moi ça j'ai gagné 30, c'est pas mal en vrai. Tu sais que 45 flèches mec, c'est cher en thune hein. 30 attends, qu'est-ce que je peux attends, faire elles sont où toutes mes flèches là? Qu'est-ce que je peux acheter avec 30 en vrai? Le gars, mes flèches?
J'en avais 50, il m'en reste 15 dans l'inventaire. On est où là? Je me suis fait scam. Y'a mes flèches, elles ont disparu. Et c'était vraiment en mode hop 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 hop, tu sors pas avec ça mon grand. Elles ont pas réussi à passer le portail, mais faut aller se faire foutre. Je m'en bats les couilles moi de votre raison RP, allez vous faire enculer. Comment ça? Alors qu'est-ce que je vais m'acheter avec mes 30 nouveaux gold là? Je peux peut-être pas ramener les flèches trouvées, bien sûr que si. J'en ai acheté, surtout même pas les flèches trouvées, j'en ai acheté genre 40. Sachant que 4 c'est 100 balles, du coup ça m'a coûté. M'a coûté 400 balles. 400 balles de flèches qui ont volé là. Ouais, mais tu les as cramées sur le boss. Mais non, je les ai reloot après. J'en avais 50 de plus dans l'inventaire. Bon, je vais acheter le truc qui fait qu'on peut pas se taper. Comme ça au moins c'est fait. Accessoires. Et attends, c'est quoi qu'il faut que je prenne? C'est un anneau, hein. Ring of Will, ouais. Limite, attends. Ouais, ça coûte trop cher au-dessus. Trade. My purchase. Six Will de stamina, voilà. Ça me fait combien de vie? 633. Ok, c'est 5 HP le point de stamina. Bon, écoute. Je sais pas. Ok, je vais au marchand, je vais vendre ces merdes. Et viens, on refait un boss. Ouais, je sais pas. Peut-être, on peut retenter. Viens, on refait un squelette. Viens, on retue un squelette là. On retue un petit meuble. Hein. Non, mais par contre, ce que je peux te proposer, c'est qu'on s'en fout, on joue la game normale. Et par contre, on essaye de portail rouge cette fois. Vas-y. Ça se trouve, c'est pas si dur. En vrai, vu que le boss du niveau 1 a 5000 HP, je sais pas. Hein. On verra. Bah, Dark and Darker détrôné par Dungeon. Bah, Dark and Darker, il s'est détrôné tout seul, les mecs. Hein. C'est un peu le problème. Oh tiens, cette pièce. Yay. Bah tu vois, je suis... Ah mais, y'a un mec en chat, il a dit vous lootez uniquement le bleu et le violet alors que, genre, en 15 heures de jeu, on a trouvé un item bleu, genre. Ouais, je te jure. C'est impossible de looter. Mais moi, je suis assez d'accord. Jamais de bleu, en moi, je suis assez d'accord qu'on devrait s'en battre les couilles tant que c'est pas vert, tu vois, au moins vert. Mais arrête pas, sinon on ramène jamais de gold, on trouve pas de trucs, frère. Bah en fait, c'est qu'à partir du vert hein, que ça vaut des gold. Mais pas du tout, y'a des trucs blancs qui veulent des gold, mais il faut bien remplir l'inventaire. Si on loot que le vert, on remplit jamais l'inventaire. Hein. Aïe. C'est le bâtard. On peut se taper là? Ouais, on peut. Ah ok. Ouais, on peut, je l'ai. J'ai vérifié quand même, j'ai douté. Mais moi je suis assez d'accord, je vais essayer de faire ça. Mais au pire, c'est même si je remplis pas mon inventaire, balèque, tu vois. Bah c'est débile, autant remplir ton inventaire avec des petits trucs à côté. Pourquoi, je comprends pas. Mais parce que pour moi, si en faisant ça, on tue plus de mobs, et donc on a plus de chances de trouver des items verts, plutôt que tout le temps qu'on perd en fait à looter des trucs useless, entre guillemets. C'est le temps qu'on peut utiliser à tuer d'autres mobs. Si on suit comme ça, quoi, le truc. Je vais essayer d'aller au chest au-dessus. Bah, je suis pas d'accord, puisque déjà le moment où on... Ah, tu veux dire, on loot les mobs? Mais non, mais on perd le même temps. Parce qu'il faut qu'on vérifie si c'est vert ou blanc. Mais non, pas besoin, parce qu'il y a une lumière. Bah, d'accord, mais tu dis, du coup, on tue moins de mobs, mais pas du tout, parce qu'il faut tuer le mob pour voir. Oui, non, mais en gros, à looter tout, je pense qu'on tue peut-être un ou deux mobs de moins qui pourraient être un vert ou un bleu intéressant, tu vois, j'en sais rien. J'essaie de. de rentrer ouais, dans sa logique et je suis assez d'accord dans les faits. Hop là. Je vais tester ce qu'il y a au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu
vois, il y a ça. Ouais, top, super. Et une mana potion. Voilà. Bon, c'est déjà ça. Hein. Aïe! Tu m'as détruit, mec. Go Nord. De toute façon, là, on cherche le. Il y a un mec là en face. Un mec ou un. Non, c'est vrai que c'est un squelette, ok. Oh putain, il m'a go contre le bâtard. Il a pété un plomb, ça y est, Sunzei, il est FF là, il est en FF. C'est terminé. Mais pas du tout. Il saute partout, il en a plus rien à foutre. Mais je me dis, c'est peut-être une strat pour esquiver les coups. Oh merde, j'ai pull le boss, je crois. Ah bon, on le fait, c'est bon, on va gagner plein de loot. J'aime bien, ça me fait rire. Super mal. Il est où le boss? Il était en bas, il doit remonter là, je pense. Non, je l'ai pas pull. Tu veux des bolts? J'ai 5 bolts. Tiens. Ah, mais d'accord, je dois les looter une à une au sol. Ou alors il est où le boss là? Ah il est là, on se le fait ou pas? Vas-y on peut tenter mais bon vas-y il est HP quoi. T'es descendu là? Non je suis dans un endroit inaccessible pour le boss. Pourquoi je suis slow? Ah parce qu'il t'a crié dessus. Bah d'accord mais il est en bas. Super. Oh putain, j'ai raté. Ok. Alors, est-ce que le boss peut nous go? Il m'a re-slow. Trop chiant, il nous slow à 20 mètres. Il est là. Il va courir, fais gaffe. C'est pour moi, c'est ouais. C'est toi qui est l'aggro, là. Ouais. Ouais. Attends qu'il me court dessus. Oh reste là, reste là hein. Reste là. Il fonce dans le... Attention, ah non, c'est pour toi. Il est sur moi. Bouffon. Ok attends, je me heal. Et je viens je t'aider. Fais quoi, je descends, je monte. Ouais ouais, fais le courir. Et au pire, si t'as des mobs sur toi, tu continues de courir, je mettrai un tourbillon au milieu. Attends, c'est mais ça le stagger. C'est pas mal ce que tu fais. Il a tourné. Ça y est, FF. Allez, je te heal. Il me fonce dessus. Non, viens là que je te mette un petit heal. Là. Il s'en bat les couilles, t'es à côté de lui, frère. On a rien à foutre. Fais gaffe, il va se retourner, je pense. Ah non. Non, je suis bloqué. Par quoi? Ah, c'est vrai qu'il me tape double coup de derrière. Nique ta mère. Attends, vas-y, je vais essayer de parier un de ces coups. Non, un peu tard. Putain, mais les deux coups en plus, je suis derrière lui. Comment tu fais là, petit bouffon? Jeu de merde. Attends, j'ai trouvé la strat, objet. Bah, en vrai, je pense que là il t'attrape jamais. En vrai, de vrai, putain, pourquoi on a pas fait ça dès le début? Peut-être qu'avec la lance, il me touche. Mais jamais de la vie. Moi, je dis ça, moi je suis à 4 mètres derrière, il. Là, il me touche pas. Mais en vrai, je peux le jouer comme ça. Fais gaffe. Alors, le tocard. On fait comment, gros noublard? Ah,
Genre, oh la longe de l'épée, frère. Ouais, c'est. Attends, je me demande s'il y a des gens qui ont foncé dessus. Ouais, le jeu lag un peu. Ouais, mais attends, il pète ou quoi lui? Ils sont juste en bas là. Oh. Ok. Ok, je la tente. Oh non, je suis mort. Bien bouffon. Est-ce qu'il peut, je peux le faire sortir par le portail? Tu viens avec moi? Je pense pas. Et là, il est dans le menu avec nous. Hey. Je sais même pas à combien je lui ai mis, donc. Vraiment en mode, c'est impossible, hein. J'adore. Oh, statue. J'ai envie de le all-in. Oh, je peux plus bouger. Wesh. C'est tellement long et tellement ridicule. Ouais, le combat est nul, hein. Le combat est super nul et je sais même pas si j'arriverai à le tuer. J'ai lâché mes dernières flèches sur lui. Finis-le au tourbillon. Ouais, mais le problème c'est qu'il faut que je régène et là je peux plus, j'ai plus ce qu'il faut. Là je tente, hein, vas-y Balek. Hein. Dans le portail là. Oula. Oh t'as vu? Ouais, t'as ouais, je vois le truc. Ouais je vois mais faut qu'il se barre. Je sais pas si je me barre. La zone va te tuer. Bah pour l'instant ça va. Wesh. Ah il est bloqué. Ah non. Ok. Wapley. Ça m'a pété les couilles, frère. C'est ouais, du coup, j'ai bien réfléchi et ça pue sa mère en fait. Ouais, c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Ouais, c'est en fait, c'est normal, c'est une démo et tout, tu sais, voilà, c'est. Mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. En fait, là, le problème, c'est que tu vois, le seul outil pour tuer un boss comme ça, si c'est l'arbalète, ou alors ça doit être possible quand t'es bien stuff ou quoi, mais vas-y quoi. Genre, en fait, moi, tu vois, je peux le faire. Le tourbillon sur le mob quand j'ai 70 de force. Parce que quand j'ai 70 ouais. de force, mon tourbillon me rend hyper résistant, tu vois, au corps à corps. Ouais. Et du coup, je prends rien. En fait, je peux y aller, je mets mon tourbillon, il prend hyper cher, je cours un peu partout, je remets mon tourbillon. Mais ouais, c'est pas super bien foutu. C'est pas super bien foutu. Bah écoute, moi je pense que ça va être une fin de session, hein. Fin de session. Je me vois pas pousser, hein. Malheureusement.
Fin de session probablement pour un moment. Pour Forever, hein, en vrai. Ouais, je pense, hein. J'pense... Les gars, j'ai bien réfléchi, je pense que je vais pas intégrer le créateur programme du jeu. J'ai bien réfléchi, je pense, je vais pas le faire. J'ai tellement envie d'un digne successeur de Dark and Darker, mais c'en est un, hein, parce que pour moi, Dark and Darker, c'est mieux, mais c'est du même tir, tu vois. J'ai arrêté pour les mêmes raisons, parce que j'étais en mode, j'ai la flemme de grind ou je sais pas quoi, tu vois, genre c'est pareil. Mais c'est parce que. Non, c'est... le grind est trop long, c'est pas équilibré, c'est. Je sais ouais, pas comment dire. Mais... Ça manque de certains trucs, mais c'est bien d'avoir essayé, hein. C'est bien d'avoir essayé, fallait passer par là, de toute façon, si on avait envie d'être heureux. Et globalement, je me sens pas plus heureux maintenant que j'ai joué au jeu, mais au début, c'était une belle découverte. Non, c'était une belle découverte au début. Non, mais en vrai, tu sais qu'au début, j'étais content quand on découvrait les items et tout. Il se passait un truc, il y a tel mob et tout. Ouais, mais là, c'est bon. Ah, regarde, c'est la même force que dans Dark and Darker. Ah, regarde, c'est la même, le même mob que dans Dark and Darker. La découverte était drôle puisque tout était pareil que Dark and Darker en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ça quand même. Il y a eu beaucoup de ça. Mais ouais, mais on ira pas beaucoup plus loin, je pense. Je pense sur le jeu. Je pense pas que je ferai une autre session parce que je vois pas trop l'intérêt en fait, j'avoue. Ah, en fait, j'ai compris, tu vois, si t'arrives à... En fait, si tu joues full safe toute ta life, que tu amasses de la thune, que tu dépenses rien, et d'un coup, tu te sors un stuff full épique, bon, oui, il y a peut-être un moyen moment où tu t'amuses, tu vois. Mais est-ce que j'ai envie de faire ça? Je pense pas. En fait, il faut monter ta classe niveau max, plus il faut faire ça, et en fait, c'est un peu cher comme prix à payer pour s'amuser un peu. Parce qu'autant, tu perds tout run 1, quoi. Et au final, on n'aura pas été dans le monde rouge, qui aurait été certainement beaucoup mieux en termes de loot, hein, par contre. Oui, mais beaucoup plus stupide en termes de difficulté. Je pense que ça aurait été juste trop pour rien. Et... Ouais, ouais. Après, autant, enfin, faut jouer à 3 et c'est tout, quoi. Tu vois, enfin, c'est autant, c'est ça. Hein. Tu en solo, on peut aller dans le niveau rouge? Parce que moi, j'avoue que j'ai pas testé. J'ai pas testé non plus. Level up avant d'aller dans le rouge. Ouais, mais pareil, tu vois. Enfin, level up. Vas-y, je suis niveau 16 là quand même. On a joué longtemps. Ouais, ouais, c'est un peu long. C'est vrai que c'est un peu long. Et surtout ça, quoi. Passer sa life à grind pour un peu de fun. Bon, c'est pas trop mon truc. Quoi qu'il arrive, fallait qu'on le teste. Et pour moi, c'est pas un flop. Mais il y a beaucoup d'équilibrage qui est nécessaire. Peut-être que le jeu serait bien si il était fini en termes d'équilibrage. Et si c'est voulu que ce soit un peu comme ça, un peu long et tout, bah c'est juste pas mon type de jeu, c'est tout, tu vois. Et c'est pas grave parce qu'il en faut pour tout le monde. Ouais, Sunday, je vais te laisser. Je vais retourner du coup à rien faire en fait. Parce que je vais arrêter mon live. Mais je vais retourner à rien faire, je pense. Vas-y. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Et mec, faudrait qu'on duo sur League of Legends, je pense que c'est important. Vas-y, t'as un petit Jace, je pense. Ouais, j'ai un gros Jace juste après, là, on joue. Ah, ok, vas-y, alors on joue juste après. Vas-y. Vas-y, bisous, frérot, merci. Salut. Ah, son gros Jace, là, Sunzel, là, son énorme Jace. Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, du jeu, mais j'avoue que ça m'a un peu découragé. Parce qu'en fait... Bon... Tarkov aussi, c'est long, oui, c'est dur et tout, mais en fait, dans Tarkov, tu peux recave des runs en scav. Et ça, c'est une méca qui est hyper importante et qui existe. Pas dans ce jeu, et du coup, c'est un peu frustrant. Il n'y a pas d'équivalent à ça, tu vois. Après, c'est aussi parce que c'est simplifié, tu peux acheter des items qui sont roll aléatoirement à la Diablo, entre guillemets. Et du coup, bah, c'est un peu facile de se faire un stuff, donc en fait, pourquoi te donner la possibilité de recap si c'est facile de faire un stuff? Mais c'est aussi le cas dans Tarkov, tu vois. Dans Tarkov, tu ouvres le flea market et puis voilà, tu t'achètes tes items et basta, tu vois. Suffit de garder un petit peu de thunes de côté et si t'as vraiment plus rien, bah voilà, là tu te balances une scav et c'est parti. En fait, ça manque peut-être de ça, tu vois, le jeu. Ça manque peut-être d'une petite run scav où en gros, tu joues un perso avec un stuff un peu banal comme ça au milieu des runs. Surtout sur Tarkov, le gear donne de l'avantage. Mais tu peux toujours faire face à un mec stuff. Ouais, là, c'est pas possible. Là, il y a trop de mathématiques qui rentrent en compte. Là, il y a trop de maths qui rentrent en compte, en fait. C'est vraiment impossible. Enfin, là, tu vois, t'as deux guerriers en full épique qui nous arrivent dessus. Je pense, y a rien à faire. Hein. Ça manque peut-être de un showdown. Putain. Moi qui étais en mode, venez, on joue ensemble, custom game et tout. Mais en fait, je pense que c'était une idée pétée. Hein. Du coup, je l'ai même pas fait. Alors que j'étais en mode, pourquoi pas, à la base, hein. Bon, après, c'est pas très grave. Hein. Globalement, c'est pas très très grave. Quoi qu'il arrive, moi, par contre, ça m'a donné envie de rejouer à Tarkov, là, ce qu'on a dit. Et ça m'a un peu donné envie de jouer à un showdown, mais comme d'hab, je vais faire deux games et puis après, je vais être en mode je suis nul à chier, ça me saoule. Voilà. C'est ça qui va se passer avec Hunt. Hein. C'est sûr et certain que c'est comme ça que ça va se passer quand je vais y rejouer. C'est une classique. Hein. Ok, l'équipe, je vais vous laisser. On va se retrouver demain pour le prochain live. Quoique, parce que là on est en entr'arc en fait, et je sais pas si je lève demain, je vous tiens au courant Twitter, Insta, comme d'hab, sur Twitch et tout, et on va trouver des trucs. Oui, parce que Hunt c'est un jeu de skill et pas de grind.
Tu m'as grave saoulé. Ça m'a grave saoulé ce que t'as dit là. Je vais couper mon live de rage, je pense. Non, mais en fait, je sais pas si je live demain parce qu'en gros, faut que je trouve un arc, que ce soit bien à jouer, à regarder et tout. Donc, je vais réfléchir un petit peu à ce que je fais. Et dès que j'ai la réponse, je relance un live. Donc, ça peut durer 0 jours. Comme ça peut durer 2 à 3 jours en fonction de. Voilà. Donc, je vous le dis, vu que c'est comme d'hab. De toute façon, quand on a plus d'arc là, comme ça, peut-être. Voilà. Pitié, retour des usines. Sur quoi? Sur Minecraft? Tu parles de Minecraft Create? On m'a proposé un autre jeu sinon. On m'a proposé Mine Industry, je crois que ça s'appelle. Et c'est genre un jeu PVE, même PVP, où genre en gros c'est un tower défense avec des usines, de l'automatisation et tout. Et tu peux faire du PVP dans le jeu. On m'a proposé ça. Oxygène, c'est un jeu aussi. Hein. Oxygène, c'est un jeu qui me ferait plaisir aussi. Donc grave, pourquoi pas ça. Retour sur Oxygène, ça me dérangerait pas du tout. Quoi qu'il arrive, bah, je vous tiens au courant, bien sûr. Et puis je vous dis ce qu'on fait, hein, simplement. Hein. C'est tout. Hein. Merci à vous d'avoir suivi ce live. On se dit peut-être à domain, peut-être pas. Passez une bonne soirée. Salut tout le monde. Salut la femme. Si vous pouviez prendre 2 secondes, les gars, pour cliquer sur le panneau HelloFresh et cliquer sur le panneau Intel, ça régalerait la team. Ça prend 2 secondes, et si vous pouvez pas vous sub, c'est un petit soutien gratuit que vous pouvez faire une fois par jour. Merci beaucoup d'avance, bisous, ciao! Ciao!